Moi bien, salut à tous les amis, c'est le gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite rediff de l'opening que l'on a fait sur notre chaîne Twitch, Lastego. D'ailleurs, je vous invite à passer faire un tour si vous avez le temps. Petite rediff, eh bien, de l'opening que l'on a fait avec Alexandre, puisqu'il a bien voulu faire son opening de 114 displays LEDE avec nous en live. Ce sera évidemment une rediff en deux parties, puisque le live était bien bien trop long. Et on a donc dû faire deux lives également. Déjà là, les vidéos vont durer une éternité, puisque la première, on a pris le temps d'ouvrir eh bien chaque display une par une. La deuxième vidéo, elle sera un petit peu plus courte, puisque on avait préparé un petit peu plus en amont. Ma foi, écoutez, si des cartes vous intéressent, vous retrouverez dans la description eh bien simplement le lien Card Market de Alex, là où il a mis en vente bien évidemment les cartes qu'on a ouvert lors de cet opening. Vous avez aussi son petit lien Vinted. N'hésitez pas à aller faire un tour. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Allez, ciao! Donc, eh bien, aujourd'hui, petit opening avec cet homme qui Bonjour. a pété un plomb. On va Oui, pas se mentir, les oui, amis. un peu. Un gros cap, puisqu'aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, eh bien, nous allons donc ouvrir 114 displays. Ça fait beaucoup, 114 displays de cette petite boîte Il y en a un paquet. incroyable où dedans il y avait pas mal de dingueries. Aïe aïe aïe, ça y est, on commence à sub. Merci, merci Arthur, ça fait plaisir. Donc, grosse, grosse ouverture aujourd'hui, on va pas se mentir, ça va être long, ça va être long. On va essayer d'avoir des dingues, mais on va faire comme on peut. On va passer directement sur la scène d'opening. On va charbonner. Alors, donc là, j'ai fait tranquille. On va remettre la cam bien comme il faut. Hop, là. Pas pour le à toi de aïe aïe aïe, ça y est, à toi de jouer clairement. Hop. Fait gauche droite. Toi c'est gauche. On allez, droite. Prends la pile de gauche, prends la pile de droite. Duel. Tac. Ah, faut que je le fasse comme ça. Donc ou... normalement, oh, tu fais comme t'as envie, hein, t'ouvres un peu comme ça te plaît, comme ça te chante, hein, j'ai envie de te dire. Parce que vu qu'on est parti c'est pour 114 displays, j'ouvre rapidement. Ouais, je t'en prie. Je te laisse ouvrir tranquillement. Petit ultra. Alors n'hésite pas à incliner. Comme ça, tu regardes quand tu mets ta. Ah tu comme ça, montes là tes ici. cartes. Comme Bah ça. pas forcément, t'es pas obligé de lever, mais Comme juste ça. le fait d'incliner, parce que si tu les ouvres comme ça, tu vois, on voit pas Ah grand chose. oui, bien Alors vu. que si tu les mets à plat, bah là forcément on les voit déjà beaucoup mieux. Bon, nickel. C'est quand même beaucoup plus joli. Centurion, je sais pas s'ils ont fait du résultat Centurion au CDF. Peut-être. J'ai pas eu d'écho spécial de ce genre de deck, mais on va essayer d'aller chercher un maximum de quarter, on va Oui. pas se mentir, de secrets Oui. de quarter et toutes les petites dingueries. Donc on est d'accord, je remets les communes à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Je remets l'intégralité. C'est pour ça que j'ai vu que En vrai, non, tu peux les mettre en paquet, ce sera plus vite. Puis je moi, te les mets en paquet. je les remets dans les boîtes Juste on après. sort les. Ah, mais Juste ça me on sort paraît. les dingueries. On va pas se mentir, on va pas s'arrêter sur les cartes, parce que vu la quantité astronomique, ça fait quand même pas mal de petits boosters jolis à ouvrir. Ah, futur silencieux. On est Ça en y est. 5. La première secrète, attends, on va essayer de faire des Je te belles laisse piles, faire. des belles piles sympas, parce que bon, on va pas se mentir, ce qui va être intéressant, ça va être surtout les Les secrètes et puis quarters. les quarters. L'avantage de faire ce genre d'ouverture, les gars, c'est qu'on va pouvoir faire un réel ratio, entre guillemets, de tout ce qui est possible et inimaginable. Je vais réduire un peu le, hop, et alors je vais Dis-moi. réduire le volume, parce que vu que tu ouvres juste devant le micro, je pense que ça doit leur éclater les oreilles. Ça doit être une dinguerie. Ils s'en sont pas pleins. Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Ah, Valmonica. Hop, les Valmonica, Ça vas-y, sera je t'en pour prie. Jojo, ça, je crois. Non, c'est pas ça que tu m'avais dit. Non, c'est Alan, je crois, qui cherche ce genre de petite sucrerie. Fierté d'or, du Hop. support. Fierté d'or qui n'a jamais rien fait. Hein. C'était une exclue de chez nous. C'est Et vrai, ça n'a jamais rien fait. Les gobelins. Alan, c'est que des collectors. Aïe aïe aïe, le rouage ancien. Rouage ancien, deck Christine. joué par notre ami Lionel. Non, pas du tout, c'est faux. Il avait dit que ça allait être un banger. Au final, eh ben, il est bien dans le classeur, on me dit dans l'oreillette. Apparemment, le classeur, c'est bien. Psycho LST, Je fais c'est Quentin du coup. une Hein. Pour le prix collection. d'esprit. Avec ces horribles pop là. Quelle horreur, du Aïe pop, aïe du aïe. N pop. Je dis pas ça. Des dingueries. Ah, c'est ça qu'il veut, Ah ouais, c'est ça, les Raika, ouais. Ragnar? Ragnarika. C'est Ragnarika. Hop, hop. Je connais pas trop les codes, je sais même pas si ça a réellement fait du résultat, perso. Et... Du tampi, du La tampi. secrète est de ton côté du coup.
Parce que t'as déjà fini, d'accord. Oui, donc c'est moi après derrière, faut que je remette d'aplomb les. Vas-y, vas-y, je te laisse ranger, remettre d'aplomb. À la limite, les papiers, tu peux les. Ouais, j'allais dire comme tu veux. Ah, regarde, je mets tout comme ça, nickel. Secret de mon côté, ça va être un banger. Après, donc il reste. T'as n'empêche qu'il y a quand même pas mal de choses de ton côté. Parce que si on regarde bien, t'as eu une sucrète et les trois ultras quand même. Du côté droit, c'est quand même. Qu'il y a des gars, vous savez pas faire. Ah, oui. On sait pas faire, non, mais on peut pas tout faire non plus. Moi, je prends mon temps, je suis un homme qui sait prendre son temps. Et vous, j'ai déjà les sleeves, hein, les secrets. Les ultras, je vais peut-être pas m'en mettre. Ah, ça y est. Peut-être celle-là, les sleeves, les ultras. Une nouvelle qui tombe, ça fait clairement plaisir. Donc, on sait qu'il y aura normalement, du coup, pas de quarter à l'intérieur, puisque du coup, ça remplace un slot. C'est une bonne question. D'ultra. C'est un slot d'ultra, un quarter ? Ouais, c'est un slot d'ultra. Bonne question, bonne question. Il me semble pas que ça prenne un slot de secret. À moins que ce soit une display buggée et que. Est-ce que tu veux que les secrets, je laisse tout cela et je laisse tout là avant de mettre dans le classeur ou Ouais, vas-y, on peut les laisser là, les secrets. De toute façon, il y en a que deux par. Il y en aura en théorie que 200. Mais j'avoue que. 130 en théorie, ouais. Et dans le dernier booster, la secrète qui tombe. Diablo Star ? Ouais, nice. Incroyable. Oui, c'est la libellule. Je règle ma carte. Avant que tu fasses ça, tu pourras. J'ai envie de. Tu le focus. Ah, vraiment? Attends, je vais régler un peu ça. Ah, donc, tout ce qui est commune, je l'ai trilé tranquillement plus tard, les communes. J'ai le temps ce week-end, enfin, le temps. C'est-à-dire qu'avec mon job, je peux trier les communes. Tu as un peu plus le temps, on va dire. Ça dépend si c'est l'action. Ouais, voilà, ouais, tu vois, là, les. Hop. Ça va faire office de. Comment ça s'appelle ? Nickel, comme ça je range comme ça. Ça va faire office de protection les boosters et hop, comme ça la display ouverte, nickel. Parfait, next. Hop. Voilà. T'as fait une. Enfin, chronométrer combien on en fait en une ou deux par minute. Est-ce que le focus est un petit peu mieux en vrai ? Au moins on arrive à lire ce qui est écrit. Ah, tu m'as mis en blanc sur fond blanc, c'est pas mal ça. Non, le focus c'est pour voir le nom des cartes. Ok. Hop, allez, on redémarre. J'ai à chaque fois la pile de gauche, on est d'accord? Oui, à chaque fois. Bon, on va voir si la théorie de une secrète de chaque côté est vraie ou pas. C'est une bonne question, ça. J'ai qu'à speedrun. J'ai l'habitude d'ouvrir des. Ah, trône du cochon. Oh, ça y est. 50. La première qui tombe. La première Starlight. Aïe. Quarter Century. Quarter Century, ouais. En théorie, tu veux mettre comme ça? Ouais, si tu veux. Vous pouvez pas focus en braille. Sûr. Non, regarde, hop, là. Faut la mettre. Parce que si tu la mets tu vois, t'es en plein milieu du chat. Alors que si tu la mets là, tu vois, on voit bien que c'est une carte. Magnifique. Une carte qui flex. Magnifique. J'en ai une autre aussi. Non, j'ai déjà vendu l'autre. Les magiciens ? Ouais, je l'avais tiré au CD. Ouais. J'ai une carte là. Encore un petit Valmonica qui tombe. Donc ça va, de mon côté est assez rentable pour l'instant. On peut faire un focus en braille. On va faire du braille, on va le faire en morse, on va essayer. Non, en vrai, pas mal de dingueries à essayer de trouver en termes de quarter. Bah, le meilleur, ça serait Trône du Cauchemar en quarter, on va pas s'en sortir. Aïe. Bon, j'en connais un Trône du Cauchemar en quarter, je pense qu'il va la récupérer instant. Je sais pas s'il allait sous, mais je pense qu'il va. Oh, allez, une secrète aussi qui tombe. Zéro. Bah, en théorie, il y a deux secrètes avec une quarter normalement, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est pour ça, vu que ça prend un slot d'ultra, c'est logique. T'as deux secrètes. Ouais. T'es sûr que c'est un slot d'ultra ? Ouais, j'en suis presque sûr, hein, vraiment. Sûr. Golem. Aïe, le golem. Deuxième display, toujours pas de tempai. Hein. Enfin, non. Tempai, tout le blanc, là, ouais, le pays drap. C'est bel et bien short print. Hein. Oh, ah, short dragonnette. Print. Dragonnette, magnifique. Je sais pas si on peut dire short print, mais. Oh. J'ai vu des displays s'ouvrir où le mec peut jouer littéralement le deck derrière. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ah ouais ? J'ai ouvert une display, il me manquait juste un blanc pour finir mon deck. Ah, donc ouais, après, est-ce que j'ai eu de la chance ou quoi ? Je pense. Oh, fierté d'or. Fierté d'or. Je ferai des lots vintage, fierté d'or. Aïe. Surtout que moi, fierté d'or, je crois que j'ai tout récupéré de cette liste. Ça ne coûte pas cher, on me dit dans l'oreille. Ah non, clairement, c'est pas les cartes qui coûtent le plus cher, on va pas se mentir. On est niveau 3. Zedark. Hop. Il m'en reste un, il en reste 2, 3. 3. Ça, c'est assez rapide. Hein. Ouais, bah, c'est rapide. Après, on verra si on arrive à garder la même cadence après. Parce que là, c'est que la deuxième, on va pas se mentir. La deuxième, c'est quand même pas pareil que. Quand on va arriver à 100, déjà, je pense qu'on va déjà suer du fond un petit peu, je pense. On va pas se mentir, ça va être un petit peu plus compliqué. Et c'est moi qui ai la deuxième secrète. Donc pour l'instant, la gauche est meilleure que la droite. Là, pour l'instant, la gauche, c'est mieux. Hein. Apprenti du cauchemar. Ouais, les élections européennes de 9 juin, je crois. Hop,
Et tu vois, c'est ça, ça. Pardon. Code de l'âme. Ça a bien pris un slot de d'ultra. Je sais pas, j'ai pas. 1, 2, 3, 4, c'est ça. 4. Mais après, on peut voir que. C'est le 4 normalement, ton display d'ultra, non 1, 2, 3, 4. Ah ouais, non, ça a même pas pris un slot du. Là, il y avait combien là 1, 4. 2, 3, 4. Bah non, attends, celle d'avant, il y avait 3 ultra. Eh ben, 4. 4 ça, c'était la première display. La première display, la deuxième. Ah bah nickel. Donc ça prend un strat d'ultra, de super. De super. Non, ouais. Tant bizarre là. Quand même, mais ok, ouais, en vrai, tant mieux de ouf. On voit qu'il y a déjà eu un trône, du coup, je sais plus où il est. Ouais. Il est là. Hop là. Un trône qui est tombé. Tac, hop, tac. Ça fait clairement plaisir. Hop, hop. Trône du cauchemar. Alors, trône du cauchemar, qu'est-ce que c'est? C'est pour quel deck? C'est pour un nouveau deck Pour le nouveau deck, c'est pour le deck Yubel. Ah, Yubel. Trône ouais. du cauchemar pour le deck Yubel. C'est con qu'ils aient pas mis la fusion Yubel en même temps, la nouvelle. Ouais, alors ils peuvent pas tout donner non plus d'un seul coup, hein, mais j'avoue qu'en vrai. Ça fait quand même pas mal de petites cartes sympatoches en vrai à récupérer. La nouvelle Diable. Je l'ai pas vu beaucoup tomber en vrai la nouvelle Diable. Tac. Je sais pas si on m'a dit qu'elle était en Starlight apparemment aussi la nouvelle Diable. En Quarter. En Quarter. Peut-être. On va essayer de la trouver. Hein. J'espère. En partant du principe qu'on vous disait que c'était une floraison Ragnarika en secret. C'est le premier booster, incroyable. Ouais, putain, une ultra. Une ultra. Une belle Minerva. J'avoue, incroyable. Toutes les secrets sont ça, en porteur du coup. En porteur, ok. C'est propre en vrai. Là c'est notre troisième. Pour l'instant, troisième. Ouais. Une quarter pour l'instant sur 3, ça va. Ouais. C'est des ratios en théorie. Non, c'est une sur 4. Une sur 4 en théorie. Ouais. Donc si on fait 114 divisé par 4, en théorie. Ouais, ouais, bah je te laisse faire ça de tête, bien évidemment, oui, je vous laisse faire ça de tête. Ça fait 24, 25 je crois. Calculette. Tu peux te monter un deck que avec des quarters et puis après t'essayes de jouer avec, tu vois ce qui se passe. Ouais, en théorie j'aurais 28 quarters en théorie. Dans le pire des cas. 28 quarters. Bon, dans le pire des cas, c'est une bonne chose quand même. Oui. Bah si je peux avoir le max de trône du cauchemar en quarter. Donc. Ou d'autres aussi. Je sais même pas le prix qu'elle coûte en vrai. 120 je crois quoi, trône du cauchemar en vrai. Oh. Ah ouais, ça m'est bien. Moi ça te rembourse. En 3 heures de temps, en 3 heures de temps, on a le temps de regarder. Oui, tu m'étonnes. Après on dirait pas, mais le temps court, le temps file vite. Hein. Oui, ouais. Il y a 15h. Hop là. Le chemin de la volonté. Toujours pas de tempai, hein. Troisième display, non, toujours non, pas non. de tempai. Ah voilà, le premier. Le premier Paydra, ouais, je vais mettre de côté. Paydra. 9€, pas cher. Alors ça fait 1 sur quoi sur la... C'est la troisième display là. Oui, c'est la troisième. Donc, 1 sur 3 displays. Le ratio est assez pourrable. Le ratio de quarter de. Bah, oh, même, Centurion, le, trône, même le trône. Magnifique. Et là, c'est toi qui as les deux secrètes du coup. Oui. Donc droite-gauche, ça ne change rien. Non, non. Mais j'avoue que ouais, ça fait un tempai. Et pareil pour le trône. Le trône, on a eu qu'un. Un sur trône. Sur trois. Bah après, trône. Ouais, c'est une, reste une short ultra du coup. Incroyable. C'est donc. Non, tout va bien. J'ai reçu des SMS de ma banque, mais ça va, j'ai bien. Tout va bien. La banque a dit oui, il faudrait peut-être redonner les displays s'il vous plaît. À toute fin, la banque a mon SMS. C'est un cas de fraude, faites-nous signe, envoyez un si c'est pas un cas de fraude. Alors une fois que je serai passé devant, Lionel, il n'y a pas de problème. Ah, tiens, regarde, quand on ouvre et qu'il y a des merdouilles là, poc, poc. Bon, ça, c'est une commune, mais ça casse les. Ah, il y a un Killien. Pourquoi pas. Non, pourquoi pas, en vrai. Ah oui, moi je lâche tout, hein, tout part à l'avant. Tout part, tout part. Sauf tout que pack, tout pack. Je vais peut-être me monter Tempai quand même, parce que bon, ça coûte 40 balles Tempai. Je vais peut-être juste monter Tempai. C'est 40 balles le deck qui coûte le plus cher actuellement. Alors, du coup, ça dérange pas la première fois. Deux tas limite comme ça. Mais je pense que tu devrais ranger celle-là. Tu sais qu'on garde vraiment que les secrètes et les. Ah, les super, bah, les super, ouais. On peut les laisser comme ça, si tu veux. Ouais, ouais, on peut les remonter. Oui, on fait des ajustements. De... Tiens, je veux bien les papiers aussi, s'il te plaît. Comme ça, par contre, j'avoue, ça fait quand même pas mal. Pour mes trucs vintage, ça sera nickel. Parce que je ferai des vintage à base de. 100, alors je crois que ça doit être 150 communes parce que je mettrai les 3 communes à chaque fois donc ça fait 150 communes, je crois il y a 50 communes par display. Enfin 50 communes différentes. Tech. Par édition là, donc ça ferait genre des communes, 150 communes à 4-5 balles, après je rajouterai des super, on verra. Tout sera sur mon. Pour l'instant pas de doublon de secrète. Pour l'instant, bah, je pense qu'on va en avoir. C'est pas mal. Oh, bah c'est sûr, j'espère même qu'on va en avoir, oui. Ce serait mieux effectivement. Des doublons de quarter pourquoi pas, mais il faudrait pas que ça soit le gadget en quarter là. C'est le moins cher. Ouais, 10 balles. Ah, c'est. Le trio gadget. Après, il est beau, je dis pas. Ah, ouais, oh, ouais, je confirme. Je confirme qu'il est plutôt sympa. Hop, allez, le petit marshmallow. Ah, fierté d'or en ultra. Du coup, les communes, oui, à ton côté. Ouais, ouais, parfait. Moi, comme ça, après, je te les donne. Ça fait les deux piles identiques. Parfait. C'est pas mal. Un petit Z-Arc. Hop.
Pourquoi, mais je sens que c'est toi qui auras plus de quarter que moi, peut-être. Ah, c'est pas dit, hein, en vrai. Je vais pas te mentir, pourquoi pas. Plus on en ouvre, mieux c'est, on va pas se mentir. Plus on est de fou. Plus on est de fou, oui. Plus on est. Chaman de la cité. Cendré, j'en ai pas vu des masses. La cité Cendré. Cité Cendré, moi je trouve ça. C'est pas mauvais. C'est pas incroyable non plus. Alors, ça fait des trucs, hein, ça fait des. Oh, apprenti du cauchemar en secret, c'est magnifique. Ouais, donc c'est elle là, est déjà là. Hop là, nickel. Je pense que ça peut faire des trucs sympas. Mais c'est si le gars ne connaît pas, si le gars. Enfin ouais, ça fait. Il y a beaucoup de si en fait, je pense. Si j'y pensais aussi, alors j'aurais le temps de bien regarder, mais je verrai si j'ai pas des miscuts, misprints. Ouais. Les gros miscuts, misprints, ils se verront tout de suite, je pense, mais dans les communes. Bah, dans les communes, je pense. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment des gros miscuts, misprints sur les secrets des compris. Je pense qu'il doit faire quand même un minimum attention quand même. Quoi, tu... dépend, je suppose, je suppose. Dépend, ouais. Je suppose. Parce qu'en vrai, ce serait vraiment. Imagine, t'achètes et tu tombes sur une quarter, miss sprint, t'as la moitié de. Ouais. T'as la moitié qui est en miss. Oh, bah j'aimerais bien une quarter miss sprint, miss quête en vrai. Ouais. Koopa, bonjour Koopa, c'est le. C'est Damien. Damien, ouais. J'espère que tu vas bien, mon petit. Dragon Tempai, enfin un Tempai en synchro. Et on aurait toujours eu qu'un seul Paydra quand même. Hein. Toujours. C'est la quatrième display. Un blanc. 114 réellement. Ouais, 114 réellement. Bah, c'est pas une dans le groupe. C'est pas une dinguerie. Oh, enfin, c'est pas une dinguerie. Si, c'est une dinguerie, mais c'est pas une connerie, quoi. C'est vraiment. Donc la deuxième secrète chez toi. Oui. Encore. Deux secrètes à nouveau. Donc à droite, la droite. Donc est à droite, c'est quand même un petit peu meilleur. On va pas se mentir. Après, en vrai. Si tu peux ouvrir toutes les secrètes, si c'est moi qui ouvre toutes les 25 ans, ça me dérange pas quoi. J'imagine bien. Arcanor, poisson blanc. Ouais. Poisson qui casse les bonbons. Quel display est le 2? Ouh, le gadget. Petit gadget. Bah, donc lui, s'il est en quarter, il est beau, mais. Aïe. Il est 9 ans. En quarter, il est. Bien qu'il y ait. Aïe. Ah, les ultras qui. Ouais. Toujours pas de trône du cauchemar entendu. Eh bien. C'est fini pour celle-ci. Hop, ouais, c'est les petits boosters. Hop. Tac, voilà, et hop, j'en descends, je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Le petit héritage de la destruction, et le 2. Le de la dernière display en cours d'ailleurs, jusqu'à demain, puisque demain sort les Rarity 2. Ah, c'est demain déjà? Demain les Rarity 2. Le 22, Non, demain. Faut aller choper Cultura Micromania pour les tripacks, non? Je suis allé voir à. Alors, ça va exister en tripack, ouais. Mais Cultura m'a dit comme quoi ils étaient livrés mardi prochain. Je suis allé voir tout à l'heure en sortant du boulot. Ah bah, évidemment. Et Micromania, j'en sais rien. Je suis pas allé les voir Micromania pour le coup. Non, moi, j'allais les voir jeudi. Non, lundi, mardi prochain. Après, ça dépend bien évidemment de vos. De vos magasins référents, bien évidemment, parce que je sais qu'il y a certains endroits que tu peux déjà en avoir. Ah ouais? Des endroits que je ne dirai pas en live, mais. Et oui, il y a moyen déjà d'obtenir quelques petites dingueries. Il y a moyen d'obtenir déjà quelques petites dingueries. Avec 4ème display déjà, en 5ème. Aïe, il marche pas. Combien de Tempai Un seul Paydra, 5 displays. Dinguerie. Sur les ratios de zinzin, ça va être. Non, mais j'avoue que la vraie monique. Un moteur de c'est bon. J'avoue qu'en vrai, ils auraient mis le Tempai pareil en quarter. Le, ouais, le blanc, ouais. Le Paydra. Ouais, ça aurait été incroyable. Ah, ça, le synchro tombe au moins, mais bon, c'est pas le plus cher. Ouais, c'est toujours bien. Ouais, ouais, il fait toujours plaisir de le choper quand même. Ouais, c'est sûr. Fierté d'or. Enroulement du crâne. Alors, peut-être qu'un jour ça fera quelque chose quand même. Mais oui, ça invoque tellement facilement, il suffit de payer des points de vie. Alors, qu'est-ce qu'on cherche en particulier? Ouais, en particulier, on cherche forcément à avoir eh bien, les quarters, on va pas se mentir. Plus de quarters différentes possibles. Ouais. Les cartes qui valent le plus de sous, évidemment. Oui. Après, moi personnellement, qu'est-ce que j'aimerais qu'il tombe? Bah, les sarcophages, je vais pas te mentir, parce que j'aimerais bien lui récupérer. Je sais que je suis pas le seul, évidemment. Hop, réveillez-vous, Centurion. Aïe. Pas de trompe. Après, spécifiquement. Rien de dingue. Si, bah des Diabolistars. Salut Rival, j'espère que tu vas bien. Merci. Hop là. Je te laisse ta soirée. Passer un bon moment d'opening. Oh là, je fais faire une dinguerie. Donc encore la secrète chez toi. Oui, toujours. Première secrète. Encore et toujours. Pour l'instant.
Non, après, ouais, je cherche pas spécialement de cartes, moi, personnellement. Metalotronus. Je sais que toi, tu veux monter le deck Tempai. Après, oui, bah, ça devrait être assez rapide hein, sur le nombre de displays. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Ça va, pas trop mal, tu vois. On fait un giga opening de zinzin, on va pas se mentir, là. Je pense que moi-même, je n'avais jamais vu autant de displays d'avant. Ah, deuxième Tempai, let's go. Ouah. Deux Tempai sur 5 displays. Sur 5 displays, c'est... C'est et dingue, la secret est encore chez moi, la Diabolista. Oh là là, mais le gars est full. Deuxième hop, secret, elle était ici. Et là, merci bien. Hop là. Le gars a full. La droite. Full secret. La droite, c'est dingue. Prenez les boosters de droite pour l'instant, le ratio est meilleur. J'avoue que pour l'instant, c'est dingue. Il y a un seul, une seule disque qui était moins bien. Tac. Hop. Mais ça fait quand même pas mal de boosters à ouvrir. Hop là. Le même lord Arthur. Les bons mêmes. Aïe aïe aïe. Bon, ça fait deux pays de rats donc on a dit sur 5 displays. Et un seul trône quand même. Non mais faut être. C'est pour ça qu'elle coûte cher un trône, elle est à 30. Ouais, je pense que c'est vraiment une carte qui coûte cher mais qui s'est justifiée. Je pense que le prix est. C'est short print comme le Tempai. Ah bah là c'est même plus short print, là c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Oui, je l'en en avant 3 heures, on verra. Ça, on a 5 displays en 15 minutes déjà. Ouais, ouais, bah après. C'est assez rapide en vrai, ça va. Ça va, ça va. On va pas en 27 minutes. 27 minutes, ça va. Ouais. Donc la gauche, encore pour Matt. Allez, moi je prends que les boosters qui viennent de gauche, parce que de toute façon, c'est moi qui ouvrirai les quarters. C'était. Par contre, tu as oui. Une quarter sur 5 displays. Pour l'instant, ouais. Donc, pour l'instant. Deux PA en 5 displays, on connaît un team qu'on a ouvert 2 sur 5 boosters de paf. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est un peu. C'est pas mal. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est ce que je disais il y a 2 secondes. Moi, j'en ai ouvert 2 dans ma display en vrai. Hein. Donc, en soi, comme je disais tout à l'heure, moi, le deck, j'ai pu le jouer quasiment le jour même, le jour de mon ouverture. Parce que bah, du coup, il m'en manquait que 1. Donc, bon. Après, les prix au début se sont clairement envolés, on va pas se mentir. Oh, le petit gadget. Tant que c'est pas une quarter gadget. mais ouais, j'avoue que les prix sont devenus du grand n'importe quoi au début pour le player, parce que j'ai même vu. Ouais, il a dû monter à 17 euros à un moment donné. Tant que c'est. La petite voiceless. Bah, en vrai, si tu veux le playset d'un coup, c'est 14-15 sur scène. Ouais, c'est ça, tu vois. Je le payera une fois la synchron, super voiceless. Ah, le manque de chance. Aïe, aïe, aïe. Oh, Ragnarika, la graine maléfique. Magnifique ça aussi. Eh bah attends, ça fait deux, secret. Ça fait re-deux. Non, là. C'est la première secrète là. Ah non, c'est la première celle-là. Première secrète. Ok, ok. La graine maléfique. Je sais pas ce que ça donne, c'est que des plantes ou. C'est en gros un support plante. Ouais, c'est un gros support plante. Tout ce qui est Rika et tout ce bordel là. Ouais. C'est vraiment pas mal. En vrai, le support est vraiment pas mal. Après, j'en ai pas trop vu au CDF. Enfin, du moins dans les streams. Bonne question. Donc bon. Et même sur les streamers de manière générale, j'ai pas trop vu de monde qui jouait ça. Bah faut sûrement voir Jessica Robinson comment elle va couper le deck. J'avoue que ce serait quand même une dinguerie. Si on la voit arriver avec ça et refaire du résultat, j'avoue que ce serait quand même une dinguerie. Elle fait encore pas mal de résultats. Oh, on mettra Valmeku. Par contre celle-là, Valmonica, elle tombe à une vitesse. C'est affolant. Une quarter. Non. Je joue déjà coup. Eh ben j'en sais rien. Il coupe pas encore, on sait pas. Oh, réveillez-vous, Centurion. Encore et toujours. Il prend le slot sur les trônes. Jojo qui va voir tous les Raika. Oh, le deuxième. Ah, le deuxième. Non, troisième. Troisième, oui, pardon. Là, c'est mon playset. Troisième, ça y est. Là, t'as le playset, c'est bon. Ah, donc un tous les trois. Un tous les deux displays. Ah, stylé. Varudas, le ouais, dernier portail. C'est une très bonne carte secrète en vrai. Magnifique. Alors tu veux une fun fact, je vais chercher un seul et unique booster au magasin de Lons. Oui. Je tombe pas là-dessus en quarter en vrai. Un seul booster, incroyable. À Lons le sommier. Ah ouais, non mais là je vais chercher un seul booster, je tombe là-dessus, je fais ok bah bravo. Bah ça va aller, on se met bien, on va tu pas se mentir. Tu as été meilleur de la chance. Ouais non bah là le gars ne fait pas la sneak, le gars vient juste prendre sa petite quarter des Fafa et il se casse quoi en fait finalement. C'était assez rapide. Je suis ok, bah. Est-ce que on a toutes les secrets? Je crois que c'est quoi? C'est 8 ou 10 secrets par édition? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Déjà on est bon. Tac. Oh,
crois qu'il en manque un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 7ème du coup. Bah, il manque. Il y a qui en 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, tu m'as dit, et bah. Je sais pas combien il y en a à chaque fois. Normalement, derrière, c'est marqué. Non, bah les gars, vous pouvez simplement nous dire dans le chat combien il y a de secrètes dans cette extension. Ah, il m'a tué le nombre de trucs. Voir si on a la bonne. Le bon nombre ou pas. Alors, secrète. Ouais, ça fait quand même pas mal de. Ça fait quand même pas mal de papier à ouvrir. Un tempai, let's go. Le blanc. Le petit blanc. Ah, ça fait quand même pas mal de papier à ouvrir en vrai quand tu réfléchis. Ah, oui. Bah, tu fais faire 114 sur 24. Ouais, on protège pas trop la planète là, on va pas se mentir. Bon, ça c'est. Hey, attends, parlons de misprint. Misprint. Un petit misprint, vous avez bien. Regardez, hop. Au niveau du U, du tour silencieux tout en haut, il est foil. On va pas appeler ça. Ah, c'est ah, magnifique. Il est abîmé, ouais. Il est abîmé. Bah, tu vois, il a disparu. Magnifique. Et enfin, une 4 misprints que j'ouvre. Hop là, et je vais mettre de côté celle-là pour moi. Magnifique petit misprint. C'est beau, c'est beau. Alors, perso, moi je. Trône du cauchemar, enfin, le deuxième. Le deuxième trône du cauchemar. Enfin. Donc pour l'instant, trône du cauchemar. x2 en. C'est. C'est doucement quand même le trône du cauchemar. Tour silencieux. Moi ce que je trouve doucement, c'est les quarters là. Oui. Où sont-elles? Où est l'autre? En théorie, elle devrait être là ou dans le prochain. Code de l'âme. Hop. Oh, apprenti du cauchemar, magnifique. À nouveau, là en bas. Alors elle va jouer dans... dans quoi, apprenti du cauchemar? Premier playset, ça fait clairement plaisir. Elle va jouer dans chaque deck. Illusion. Ouais, avec les illusions. C'est marrant ce deck à apprenti illusion. Illusion, ouais, je sais pas si le mot marrant c'est le bon chiant, moment. Ouais. C'est chiant et marrant à apprenti. Ouais, c'est ça, j'ai l'air. Perso, c'est pas le deck que je préfère affronter. Faire de lance, c'est top. J'aime bien l'affronter, mais doucement, quoi. Et il est bien chez les autres. Il est bien contre les autres, surtout. Ah, Minerva, magnifique. Donc encore la secret de mon côté. Alors peut-être, non. Une première secret de ton côté. Bah, si, j'ai eu la... Ouais, ouais, celle-là, là. Il reste deux boosters de mon côté, toi aussi. Ouais. Une quarter, une secret, ça serait bien. Allez. On monte en bas. Oh, oh, oh. Ah non, c'est juste un léger miss. C'est juste un léger miss. Mais par contre, là, forcément, il y a forcément la secrète là-dedans. Une secrète dans un des deux, ouais. C'est pas toi qui l'as, c'est moi qui l'ai. Si, c'est moi. Eh ben, c'est toi silencieux, quoi. Non, mais c'est une dinguerie quand même. À droite, les gars, c'est clairement meilleur que à gauche, on va pas se mentir. Dans un magasin, prenez les boosters, c'est à droite. Les boosters à droite. Les boosters de droite, on va pas se mentir. Les boosters de gauche, vous les oubliez. 8ème display, je crois déjà. On va faire, moi je vais les empiler par 12, comme ça, une 12 c'est une case, je crois, c'est ça. Ouais, 12 c'est une case. Ouais. Ah, les ratios de fou pour l'instant. Ratio de. À droite c'est mieux. Ah bah là, ouais, à droite c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Alors, viens là. Donc, on a fait un jeu de mon pas. Sachant que la display est toujours ouverte de la même façon, on pourrait dire, oui, il les ouvre à l'envers, etc. Il se fait pas gaffe. Non, 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 c'est vraiment. Toujours droite-gauche. C'est vraiment ouvert correctement. Oh, enfin la Saphira en ultra. Aïe, aïe, aïe. La sa petite Saphira. C'est celle-là que tu me disais qu'elle était en quarter, non? Ouais, celle-là, ah, elle existe en quarter, ouais. Hop là. Marche pas. J'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas lui son effet. Non, franchement, il est bien. Franchement, tu as kiffé. Ouais, ouais, franchement, tu as kiffé. Oh, il valise. Tu battles, il revient. Et... Enfin, il y en a un autre qui revient du deck et tout. Non, franchement, elle est. C'est vraiment pas mal. Ouais, j'ai son effet. La carte est marrant. En fait, ils ont juste voulu faire un marshmallow 2.0. Hein. Ah bah heureusement, heureusement. Ils ont mis ces petites lunettes aussi, parce que ça existe, les lunettes. Ah, Centurion en secrète. Encore une secrète. Donc chez toi, de en côté, encore à droite. Hein. Ah, mais c'est fou. Hein. Là, en 114 display, on va avoir le temps de faire des ratios. Un ratio de zinzin en fin de vidéo. Là. Ouais, parce que du coup, ouais, on pourra retrouver dans les actus de la semaine. Je pense que je vais faire on va faire un petit pourcentage. Tu vas faire un tableau Excel. Le petit tableau qui va bien. Spoiler, c'est pas moi qui vais le faire, c'est lui. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Gros spoiler, mais. Je vais le faire, je vais le faire. Je te l'enverrai en PDF. Quand tu l'auras fait, j'avoue qu'il y a moins de se marier. Mais. Ça en fait de la display, ça en fait. Ça en fait du booster. Ça en fait du plastique. On va avoir les doigts dans un état à la fin de la journée. Aïe aïe aïe, je pourrais plus rien ouvrir. Terminé, bonsoir. Ah, Magistrat Silencieux 0. Et c'est encore de mon côté. Les deux secrètes à nouveau de ton côté. Non, mais ah, les gars, quand on dit à droite, c'est. Faut pas. À droite, toutes. Après, ça dépend ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez les quarters, c'est à gauche.
Pour l'instant, il n'y en a qu'une tombée en 7 ou 8. Après, je pense, d'une display à l'autre, il y en aura peut-être une ou deux à chaque fois. Enfin, peut-être pas deux d'un coup, mais... Sait-on jamais, des fois. C'est un... display buggé, un display buggé, en vrai. Mmh. Je sais pas si ça existe, mais... Enfin, ça existe. Ouais, sur sur les quarters, en vrai... Ça serait pas mal, hein. Ce serait incroyable, même. Saphira... Est-ce qu'elle est bien, la nouvelle lien, la nouvelle ouais. rituel, je vous ouais. Elle te permet, si t'as l'eau de draw 2 et discard 1, donc en fait, elle est... Sympathique. Elle est plutôt plus que forte. Ou le trône. Ah, alors... enfin, troisième trône, je crois. Ouais. Un trône, toutes les deux disciplines, c'est ça. Non, franchement, elle est vraiment sympa. Après, dans les deals que j'ai vu du CDF, ouais. Y a personne qui l'a joué. Bon, bizarre. J'ai vu personne la jouer. Est-ce qu'ils ont pas assez cook avec ou... Bah, est-ce que peut-être pas assez impactante pour les joueurs, je pense. Ah, peut-être. C'est du joueur. Draw juste deux. Hein. Bah, tu draw deux, quand tu battle, tu dégages une carte de la main de ton adversaire. Ouais. Chaque fois qu'il battle une rituel. Même si c'est lui qui battle, hein. Du moment qu'il tape tes rituels, et vu que tu le forces à taper tes rituels, bah. Oh, ça va être sympa, ouais. Logiquement, il discard un. Après. Il y a encore une en main, ouais, c'est ça. T'as d'autres cartes entre guillemets rituelles qui sont quand même bien plus sympathiques et bien plus impactantes en vrai. J'imagine. Le pendu le dragon ah oui, pendu oui, par oui, exemple. Oui, qui est bien mieux. Et ah oh putain. Je vous ai dit quoi les gars? Oh c'est à gauche. Le magnifique c'est sarcophage brillant. À gauche. Magnifique sarcophage brillant, putain, il est bon. En quarter, putain il est bon. Alors les côtes, pareil, je le sais pas hein, mais. J'ai pas tout regardé, j'avais une côte. En secret elle existe aussi il me semble celle-là. Il me semble, on l'a pas touché mais du tout. Elle n'est pas encore. Sarcophage brillant, ouais, c'est étonnant. Trône du cochon, on a bien trop. Bah c'est trône du cochon en secret, c'est pas mal ça. En quarter. Le petit sarcophage, bon ça y est, ça y est. Toi je te dis, moi j'ouvre pas les secrets, mais j'ouvre que les dingueries. Quarter. Moi je fais les quarters, je suis en mode full quarter aujourd'hui. Alors. Et puis, ça se trouve si c'est une display buggée, il y aura peut-être une autre quarter, on sait pas. Imagine, ah, imagine. Par contre, c'était à chaque fois, enfin les deux fois, c'était sur le deuxième booster. Ah, donc ça serait au tout début, ouais. Intéressant. Bah, du moins, les deux fois que j'ai pris là, c'était sur le deuxième booster. Donc c'est vraiment quelque chose Dragonnet, de. Dragonnet, magnifique petite ultra. Et la secrète. Oh, bah c'est de ton côté cette fois, donc les. En fait, les displays, elles sont buggées. C'est quand c'est toi à gauche, c'est touché, moi. C'est vrai. Tu vois, t'imagines, t'arrives en magasin. Puis là, j'ai dû ouvrir quoi. J'ai dû ouvrir 6 boosters. T'achètes 6 boosters, puis t'as pris une. 6 boosters à gauche, tu fais une dinguerie. Même si, comme on vous l'a dit depuis tout à l'heure, les ratios sont quand même meilleurs à droite, on va pas se mentir. Bah, pour les 6 plates aussi. Mais imagine la dingue en vrai. Donc, en théorie, de mon côté, j'ai de la super et 2-3 ultra grand max. Bah, t'as eu 2 ultra. Bah, non, il manque une secrète aussi. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, elle est pas là. Elle n'est pas là. Il manque une secrète un, encore. 1, 2, 3, 4. Hop là. Oh. Légèrement foil d'amour. Je la mettrai ex sur scène. Quoi. Ah oui, un peu abîmé, j'avoue. Ah, il y en a souvent. Quelques-unes comme ça qui ont été abîmées. Mais c'est bizarre quand même. Enfin, comme je dis, les imprimes, c'est pas le transport ni rien, parce qu'elles étaient dans les c'est bois, c'était rangé. C'était quand ils impriment. Ouais, les bordures de planches, peut-être. Oui. J'aimerais bien un jour, j'ai vu que ça se vendait les planches. Oui. La deuxième oh, secrète. De ton côté, floraison. Donc moi, j'avais tout. Pour le coup, là, ce côté gauche, j'avais la quarter, les deux secrètes. Incroyable. C'est la 8ème, je crois. Ouais. Bah, si c'est la 8ème, ça fait bien une sur 4 du coup. Hein. Je vais vérifier ça. Tac, tac. Ça fait bien une quarter tous les 4 displays. Ça validerait le petit tips. Je vais vérifier ça. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 9ème display, là, pour l'instant. C'était la 9ème, ok. Ouais. Okay. Vous allez ouvrir du rarity de votre côté. Moi je vais sûrement ouvrir genre 2-3 boosters, manière de dire 2. Ouais, pareil, mais vu que moi je commande tout en US, je vais pas te mentir, je vais commander en US. L'américain. Aïe aïe aïe, moi je les trouve tellement plus jolies. Les mecs sont belles. Tellement plus jolies, regarde. Hop, je dois avoir ne serait-ce qu'un que là. La petite Lancea en US. Alors, qui est vraiment le DRNM. Oh, oh le Dark stylé. Cooler. Stylé. Elle est tellement plus jolie en US. Tac. Hop là, gauche-droite, c'est reparti. Allez hop. Allez, une petite quarter encore, sarcophage brillant, je ne dis pas non. Time pipe blanc, bah que 3 en 9, donc 1 toutes les deux, time pipe blanc. Oh, le trône c'est bien aussi. Ah bah je dis pas non, le trône, trône le trône c'est pas mal aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah il manque de la secrète j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il par contre, on est d'accord, le sarcophage, on l'a jamais vu. Oui, littéralement.
Est-ce qu'il est en secret ou en ultra? Bah, il doit être en secret. Et même en ultra, on l'aurait vu passer quand même. Bah, oui, je pense. Non, il doit être en enfin, on l'aurait eu dans les mains, du moins. Ouais, il doit être en secret, je pense. On l'aurait eu dans les mains. Parce que moi, j'en ai jamais. Enfin, depuis le début, j'en ai pas eu dans les mains. Sarcophage brillant. D'où son prix doit être à 60 en secret, je crois. Non, en secret. En quarter, il doit être à 120, je crois. Il me semble. À vérifier. Oh, magicien silencieux 0. Donc, techniquement, peut-être pas de. De secret de mon côté, oui, on peut le dire. Pas on de peut le dire. Quarter, du coup. Hop, ah, la deuxième la secret. Bon, bah là, les ratios sont. Un de chaque côté. Voilà. Donc, potentiellement, une quarter en théorie. Là, il nous manquerait, ouais. Potentiellement. Ou alors une troisième secret qu'on a toujours pas eu. Trois secrets. Ça existe, hein, ça existait, je crois. Trois secrets dans une disque, et des fois une secret dans une disque, je crois que ça a déjà existé. Non, ouais, pas de soucis, je te dirai ce que j'ai en tempai qui part. Voilà, il te dira, mais t'inquiète, tu seras au courant, y a pas de soucis. Mon petit coup, pas de soucis, bon après-midi à toi. Et bosse bien. Trône du cauchemar, ça fait plaisir. Deux trônes dans la même display. C'est vrai? Ouais, regarde. Putain, c'est stylé. Et elle aurait dû être en quarter, je suis sûr. Elle aurait dû être en quarter. Tac, tac, tac. Zedark. Est-ce qu'il est bon ce nouveau Zedark? Je ne connais pas trop. Moi je connais pas trop l'archétype, faut quand même avancer. À part la piège qui invoque le big boss, Metallotronus. Tac, tac. Et du coup, en revenant sur ton CDF, c'est bien passé? Moyen. X4 drop. Bah en même temps, je joue à Runic Stun, donc bon. Moi j'ai vu un Runic Stun qui allait long quand même sur les vidéos. En fait, j'ai choc quand il restait peu de temps, en fait, j'ai galéré trop. Quand il restait peu de temps. Puis en général, quand ils avaient side, bah. Du anti-MP. Hein. Ah, de toute façon, tu regardes toutes les DL que j'ai vu passer des mecs qu'on top, ils sont tous avec 3 cyclones en side ou. Et ils ont genre 2 lightning oui. Et un plumeau en main. Ouais, donc au final, non, après j'ai eu des bons adversaires, des bons match-ups, c'était marrant. J'ai bien aimé mon CDF. C'était pas bien sympa. Mais vu que je gagnais, je perdais, j'ai affronté aucun snakehead, j'étais deck. Ah ouais? Ouais, aucun snake. J'ai commencé par un deck de cœur, incroyable, un sprite Melfi Keshira, incroyable. Il a très bien joué, il a pas fait d'erreur. Il jouait même double cross et c'était une très bonne paire du coup double cross. Parce qu'à un moment donné j'ai voulu. Il a spé un jet, j'ai voulu negate, et ou non j'ai fienne avec absorption de compétences. Il a fait double cross sur son jet, il l'a mis sur son Mata avec 6, et du coup l'effet jet est passé quand même vu qu'il est conseillé par Mata, et plus comme un monstre. Et plus comme un monstre. Donc absorption. J'ai quand même call jet pour être sûr, mais. Vu que c'est considéré comme un matériel et plus comme un monstre, Jet a pu faire son effet. Puis après, il m'a brisé la gueule, bien sûr. C'était chaud quand même. Très bon adversaire. Ouais. Gauche. Bon, je pleurais du sang, vu que c'était tout du low cost. C'était que des secrets. C'était dommage pour lui. Alors, du coup. Dixième, neuvième. Oui, en même temps, les bleus, ils sont en secret en multi. Toujours pas, donc. De nouvelles cycles. Non, toujours pas. Bénédiction de la sans voix. Du coup, en support sans voix, il y a eu ça et la rituelle. Et la rituelle, ouais. Mais elle bien la nouvelle, j'en ai affronté un de sans voix. Ah, bon, c'est cool, à recyclage 24. Ah, trône du cauchemar. Bah, c'est pour ça que. Alors, j'ai vu que les DL, vous voyez ce que j'ai vu, il la joue que fois 1. En fait, le truc, c'est qu'une fois que t'as réussi. Ah, la secrète, ça y est. Stylé. Mais je pense qu'une fois que tu l'as pété, bah. Je trouve que le deck il revient, genre, comme avant, quoi. Oui. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ouh, le petit, ça y est, un nouveau. C'est le quatrième, je crois. C'est le quatrième, ouais, enfin, 4 en 9 display. J'espère que tu vas bien, Atori. C'est la 11ème display, normalement. 11ème display, 4. Oh, ah, d'accord, ok, chacun son tour, d'accord. Ça m'a d'ouvrir. Chacun son tour, chacun son tour. Magnifique quarter, comme ça. T'es pas obligé de lever, tu peux juste mettre. Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. La Ragnarika, la graine maléfique, est-ce que Jojo la voudra? Ça, c'est une bonne, c'est une la bonne question. Qu'on se pose. On doit pas être bien cher, parce que plante, c'est pas encore joué. Ouais, Troisième quarter, c'est la 11ème display, donc c'est pour l'instant les ratios sont respectés. Est-ce qu'on aura une deuxième quarter? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça s'est déjà vu? Bonne question. Deux quarters en vrai. Dragonnet. J'ai du mal à y croire quand même. Tu penses? C'est l'open des QCR, ouais. Tu vois, en open. Alors, franchement, vu le nombre de displays. Ah, tu as payé le titre de stream être... Si, bien sûr, c'est le titre de la vidéo. C'est le titre du stream. Ah, c'est mon titre. Non, c'est dans le. Tu peux pas le voir. Alors, je vais chat et que je mette. C'est ça. Ah, lui, on n'a pas encore ouvert, lui, voilà. Non. Lui, il vaut 4 paris, ou 3-4 euros, mais c'est le monstre du booster. Alors, c'est ça. Je fais comme ça. C'est le monstre du booster. Magnifique carte.
elle existe aussi en quarter. Bah, en même temps, toutes les secrets. Mais on l'avait pas encore touché. On l'avait pas encore eu. Et du coup, j'ai open une secret. Une secret, une quarter, et moi j'ai ouvert l'autre secret. C'était laquelle là? Ah, ok. Silencieux. Par contre, ouais, sur les slots de secret, non, c'est assez régulier, on voit les secrets. Pour l'instant, ça va. C'est assez équilibré. Pourquoi autant? Parce que. Je suis fou. Il est fou. Je voulais tester, ouais, je veux voir les ratios une fois, une display, j'en ai pris beaucoup. Je vais pas te mentir, c'est pas moi qui. Diablo Star de l'œil du serpent en ultra. Eh ben non, c'est la deuxième ça. Il y a des promos Konami, ouais. Ouais, des promos dans des événements. Des grosses promos, mais bon, bah. Non, je pense que. Il a fait un emprunt à la banque, il a pété un plomb. La banque lui a pas demandé pourquoi, ils auraient peut-être dû d'ailleurs. Peut-être. On va pas se mentir. Ouais, j'allais la voir d'ailleurs, la conseillère. Elle va dire, mais vous savez que vous pouvez pas me payer avec vos cartes quand même, monsieur. Imagine. C'est chaud quand même que vous faites là, monsieur. Tac, merci. Tac. Tac. Bon, on va 3 quarts pour sortir. Et je crois qu'on va attaquer la 12ème display déjà en 35 minutes, ça va, on va... 46 minutes. Bien sûr qu'on allait plus vite ou... Oh bah de toute façon on peut guère aller plus vite hein, j'ai envie de te dire. Ah non, on a fait déjà les 12 hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah, c'est bon, celle-là. Non, c'est la 12ème. 12ème pour... 12ème d'une supposée qu'on appelle ça. Une case. Case, ouais. Toujours la gauche du côté de Matt. Je me dis qu'il restera encore... Ça x 10 en fait finalement maintenant. Oui, 115 quasiment. C'est ça. C'est une dinguerie. Donc 40 minutes x 10, 408, 408, 70 par 60. 6 fois. Ah, je sais 5, pas si 6 ouais. 6 ça 6 va 4, être tendu. 24, 6 fois, c'est vrai. Aïe aïe. Tu me dis, comme ça on va vite charbonner. Ouais, oui. 6 fois 5, 30. Ouais, on a plus de 5 heures. Hop, le trône. Ah, vaudra ce dernier apporteur de la fin du temps en secret. Hop là. C'est beau, c'est beau. C'est quand même pas mal de petites dingues. Tac, tac. Hop, hop, la super. Hop, hop. Dandy. Ah, pareil, j'ai pas lu son effet à ce nouveau Dandelion, qui ne dit pas son nom. Dandelion. Mais je pense qu'ils ont juste voulu reprendre. Ouais, surfer sur la nostalgie. Ouais. Ah, le Hydra. Cinquième, je crois. Cinquième Hydra en. Ah, ouais. Oh, V2. Cinquième Hydra en. En 12, c'est ouais. La 12ème. Il y en a un tous les deux dans sa vie. Ouais. Oui, donc en fait, j'ai vraiment du bol en ouvrant oui. Deux dans la même. Quoi. Oui, ah, Tempai. Bon, bah 6, donc c'est bien un tous les deux pour l'instant. Donc là, il y en avait bien deux dans la display. Vous jouez quoi actuellement? Eh ben, moi actuellement, je joue Tempai. Pour le coup. Moi, je joue. Oh, sarcophage brillant en secret. Ah, bah voilà. Ça faisait un moment que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, il y en a 10, 10 ou 12. Je sais hop. Sarcophage brillant en secret. Donc, moi actuellement, du coup, je joue. Sarko. Non, il joue pas Sarko. Non, moi je joue Tempai actuellement et j'attends de pouvoir faire le Suisse puisque je n'ai pas pu faire le France. Les infos sur le Suisse. Les infos sur le Suisse, ouais, ils mettent leur vie à. Ils mettent leur vie à mettre sur la Plumeron. Ah, l'événement oui. N'existe toujours pas sur la Plumeron. Ça c'est chiant ça. Bah on s'est renseigné, on a envoyé un petit mail et tout, mais ils ont dit que c'était normal, ils allaient le créer au dernier moment. Donc bon, c'est mignon, hein, mais... Bizarre. Le truc, c'est que vu que tout est en allemand sur leur site pour prendre ta place... En allemand. Ils ont pas mis trois langues différentes, genre anglais, français, allemand. Non. Bah après, tu peux faire avec ton téléphone, tu fais Google Trad, tu vois, mais... Mais en vrai, tu peux pas faire mieux que ça, donc... Et lui, c'est un joueur cancer. Oui, Runic Stone, de mon côté. J'aime bien Runic Stone. C'est un joueur... Mais je vais changer, je vais jouer... Je vais jouer le deck où tu peux pas Charmeuse jouer. Stun aussi, c'est très drôle apparemment. J'ai tout le deck, Charmeuse Stun. Et il y avait un autre deck qui m'intéresse. Il y a Cyril qui... Bye, Autorité Cyril. Et... Ouais, c'est normal, franchement, à ta place j'aurais fait pareil. À ta place je ferais pareil. Ouais, Charmeuse Stun, alors marrant. Il y avait un deck... Ah oui, faut que je me mette à Flounder aussi. J'ai le tapis, j'ai toutes les cartes. Je pense qu'on va pas se mentir, le mot Flounder, moi rien que là je quitte le live aussi. j'en peux plus moi. Tu vagabond brise, pardon. J'en peux plus de ces. Est-ce qu'on reste comme ça là, c'est, donc ça c'est l'ouverture de, en théorie, une case. Donc on reste comme ça. Ouais. Un sarcophage brillant. Donc. Trois coins au quarter. C'est ça, en une case, un sarco. Hop, les trois petits quarters, je vais les mettre peut-être plus ici. Ouais. Les trois quarters, donc c'est. Bon. C'est pas mal. Non, c'est bien, ouais. C'est bien, j'aime bien. 4, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est ça, une toutes les trois du coup. Est-ce que du coup on laisse comme ça ou je. Comme pour tu voir une nouvelle case, vas-y. Je viens les prendre comme ça. Et ben, hop, hop. Hop là, nickel. Hop, les sont déjà triés. Ouais, donc je les mets là, ça te va comme ça. Ouais. Nickel.
Les yeux. Et on va pouvoir démarrer pour voir ce que donne une deuxième case. Sur le tu auras toujours la gauche. J'entends plutôt le shifter deck. Ouais, clairement. Oui, shifter vrai. Deck. J'en ai joué un deck qui joue shifter. Donc, ouais. Ah, Tenpai, ça commence bien. Après, shifter, en vrai, dans la méta, bah, on va pas se mentir. C'est ce qui fait le café, quoi. Hein. On a déjà notre assaut de Tenpai pour les 3 prochains displays. Là. Shifter fait très très mal. Gaidos, magnifique. Pour le deck champion de France actuel. Oui, du coup. Oui. Donc, Et du coup, le champion de France, c'est un Allemand, je crois, c'est ça. Non, un Anthony Lopez. Ouais, mais Allemand ou pays de... Je sais pas quelle nationalité il est en vrai. Il a gagné face à Gabriel Soucy. Non, parce qu'ils ont dit que c'était un francophone. Donc, ça veut pas être un Trio Gadget, on a pas eu tant que ça. Et tant mieux, parce que ça coûte... Ça coûte que dalle. Ils ont dit que c'était un francophone. Donc, Anthony de Lopez. Ouais. Bah, tant mieux, tant mieux. Il a gagné contre Gabriel Soucy. J'ai regardé un peu la finale, elle était pas folle. Hein. C'était beaucoup de briques et de entrap. Ah bah, la finale était très rapide pour... 20 minutes, je crois, c'est ça. Ouais. Il a ouvert sa main, bah... Voilà, merci de terminer ce soir. La deuxième main était clairement futur silencieux, mais autant mauvaise que la première, donc bah c'est assez rapide. Tu joues Melodius pour le moment. Ah ça se comporte fort, bien en vrai. C'est très fort, j'en affronte un, c'est très fort. Ah ouais, parce que moi j'ai été très... Ah non, Melodius ou musique, c'est la même chose. La même chose. Musique c'est très fort, très chiant. Ostinato qui a fait de 2 centimes à 1,40€. J'en ai acheté 2 à 2 centimes récemment, elle a vite monté. Ostinato. C'est fort de ouf. J'ai réservé en direct. Ouais. Ah franchement, je suis allé, tiens, hop, la secrète qui est là. Floraison Ragnarok. Ragnarok. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Oui. En ultra. Après, est-ce que c'est fort parce que ce n'est pas connu? Si, c'est très fort. Non, si ça reste fort quand même fort. Malgré le... Bah son gros board, enfin l'un de ses gros boards, c'est la... Un monstre qui dit qu'il peut pas, tu peux pas cibler ses musiques sur le terrain. 2 fusions. Ouais. La première fusion, elle dit que tu en effet rapide, il banne 3 de ton cimetière, je crois. Puis l'autre, il banne tout ce que tu veux sur le terrain, un truc comme ça, c'est très chiant, très très chiant. Ah oui. Allez, je crois qu'il y en a une dedans en super. Brandé de fusion, et c'est pas une fois par tour. Ah oui, oui, aussi, ouais, il y a aussi une musique magique, magie musique qui dit brandé de fusion, c'est ça. Ah ouais, ok. C'est... Il recycle beaucoup depuis le cimetière, donc il se prend shifter en musique. Okay, c'est très très fort. Shaman. Tac, tac. Donc ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, finalement, les shifters et... Oui, ça reste fort, c'est clair. Hop. Mais j'avoue que ça doit être assez intéressant quand même. Musique, oui, musique. Mais du coup, ça a bien grimpé en prix. J'ai vu que c'était, comment il s'appelle, Barcode qui a joué oui, ça. Oui, très fort Barcode. Mais c'est dommage, il s'est fait fumer, mais c'était un beau match. Il s'est fait fumer par le Chenille Infini. Mais ouais. C'était très, un très beau match. Ouais. Bah, et voir Chenille Infini aussi. C'est clair. Bah, les gens s'attendent pas, ils connaissent pas, puis ça au TK. Ouais, bah, puis il avait tout ce qu'il fallait pour aller chercher, quoi. C'est... Ah, ouais, c'est ouais, je trouve ça ouf, match, en vrai. Je trouve ça ouf. C'était un très beau match. Hop, hop. Ah merci beaucoup de follow, ça fait plaisir mon ami. Première plutôt sympathique. Non ouais, c'est vrai que c'est à la gauche. Incroyable quoi. Incroyable. On va à droite. Bon, c'est pareil, je vais faire un récap du CDF sur ma chaîne YouTube. Oui. Bah n'hésite pas, il y a déjà quelques infos sur Twitter qui ont été données. Il y en a qui manquent encore la répartition de certains decks. Sur la chaîne du gros Dino. C'est pas mal. C'est vrai qu'on va, reprocher d'ailleurs de plus jouer le deck Dino. Ah bon? Bah, parce que du coup, bah, vu que ma chaîne, tu sais, vu que c'est le gros Dino, bah, tu rejoues Dino, ouais, je sais bien, mais tu vois, en ce moment, j'ai même vu le ouais, Tenpai qui est passé en live, c'est un ancien joueur Dino. Ah oui, celui qui a perdu. C'est celui Alex, ça va, tranquille. Oh. Et le loup. Oh, mais l'ultra aussi, Minerva. Ouais, c'était. Plus un joueur Dino. Ouais. Ouais, c'était un joueur Dino aussi, celui qui est passé en live et... Ils sont passés du côté dragon de la force. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est un deck second. Bon, ça c'est va, vrai. Tranquille. Tu vois, on a Alex, qui est également avec nous et qui a fait une petite dinguerie. Il a fait péter le PEL, on va pas se mentir. Je pense que là, c'est même plus le PEL. Là, c'est il a fait péter la banque. Parce qu'on ouvre réellement 114 displays. Ragnar, j'ai fait péter PayPal, voilà. Mais ça, j'ai pas eu de problème avec PayPal. Le PayPal en PLS. C'est juste Kyrico qui m'envoie des petits SMS en mode suspicion de fraude, êtes-vous sûr? Tapez 1 si c'est bon. Oui, êtes-vous sûr que c'est vous? Et ça s'est passé à toute fin. Ouais, il est ouf, ouais, je confirme. Ouais, ouais, il a moitié taré. Je vais voir les displays. Mais moi, en fait, j'aime bien envoyer des lettres, faire mes petits lots sur Vinted. Tes petits colis Vinted. Oh, Diablo Star, ça c'est cool. Alors, ça fait plaisir. Des petits colis Vinted, des petites lettres envoyées sur CM. Là, tu vas en envoyer un wagon de lettres. Oui. Ouais. Donc, faut que je prépare les timbres en francs, parce qu'on peut prendre des timbres en francs qui n'ont pas été oblitérés. Et les mettre pour 8,50 francs, ça fait 1,29€ le timbre. Donc, c'est pas mal.
Ça, c'est une bonne strat aussi. C'est bizarre qu'Arthur soit plus dans le chat, il aurait mis Théma la taille dure. C'est vrai. Il est ouf. Tac. Le roll. Oh, magicien silence 0. Très belle secret aussi. Donc c'est toi à nouveau qui a eu les deux secrets. Donc la droite, toujours la droite. Non, mais j'avoue que c'est ouf quand même. La droite qui open secret. Pour l'instant, on a beaucoup plus de chance de trouver les secrets en prenant les boosters de droite. Donc display. Tac. Que l'inverse. Voilà. J'avoue qu'à droite, c'est littéralement une. Ah, j'ai cru de moi un farce gamin. Bambin capricieux. Mais tu es rentable. Ça. C'est une bonne question. Ça, c'est. Ouais. J'ai regardé ce week-end un peu. C'est la question. J'avoue que sur la display. N'importe quoi. Sur le nombre de displays, je sais pas si ça va être rentable de. En fait, tout va dépendre du nombre de QCR et quel QCR je vais toper. Pour l'instant, les QCR que j'ai topé sont très bonnes. La sarcophage est excellente. Bah, excellente. En prix surtout aussi. Elle est à 110-120, je crois, la QCR à l'heure actuelle. Sarcophage brillant. Ouais. Donc, déjà, une QCR quarter, mais en place, on rembourse deux displays, donc à 120. Il manque juste ça. Les communes. Après, faut voir les autres QCR. Il y a un mec, j'ai fait un blabla, j'ai ramené un mec, Damien aussi. Et lui, au retour, il me disait contre lui, si tu ouvres que des QCR trio gadget, ça va pas être rentable, tu vas voir. C'est vrai qu'il a pas tort. Oui. Bah, pour l'instant, trio gadget, on l'a vu une fois ou deux en ultra, pas de QCR. On l'a vu en ultra, on l'a jamais vu en QCR. Donc, ouais, trio gadget, ouais, j'espère, on va éviter. C'est pareil, mais c'est pas le bon. D'ailleurs, la secrète qu'on a le moins vu du coup, c'est le sarcophage. Oui, une seule en 12. En un seul exemplaire sur 12 displays sur la première case. Donc je comprends mieux son prix à 60-70, je crois. Il me semble. Ça me semble vraiment incroyable quand même. Oui. S'il y en a un qui est déter pour regarder, si quelqu'un du chat est déter pour regarder le prix, oui. C'est live pendant des heures. Non, pas pendant des heures, parce qu'il faut que j'aille quand même chercher mon fils, moi, à 5h30. En vrai, si tu mets pas trop de temps et qu'on n'a pas fini, moi je continue tout seul à ouvrir. Hein. Alors non, je t'aime bien, mais vu que je rentre pas chez moi derrière, non. Du coup, comment ça se passe si on n'a pas fini de ouvrir? Eh ben, on fera... Tant pis. On fera une deuxième vidéo, pourquoi pas, ou... on avisera à ce moment-là, mais je pense qu'en vrai... Moi, je repars demain à 8h. Partie 2. Oh, Ragnarok. J'avoue. Encore la secrète chez toi. C'est une dinguerie. Partie 2, hein. Et la deuxième secrète est chez moi. Magnifique. Ça va. Allez, on espère la quarter maintenant. Allez, on peut ouvrir en vitesse si tu veux pour qu'on gagne du temps. Moi, j'ouvre assez vite. Hop. Tac, en deux trous. Hop. La bénédiction d'ascendant. Focus. Hop. Allez, hop. J'avoue que c'est dommage qu'ils aient pas fait. Sur les nationaux des ils te donnent des trucs en US. Parce que j'avoue que là. Ah bon, ils en donnent. Oh, trop des cauchemars, magnifique. Non, ils t'en donnent pas, justement, c'est ce que je dis, c'est dommage. Ah oui. Ouais. Ils donneraient le display US, je pense que ce serait. Les US seraient beaucoup moins chers. Ouais. Faut aimer. Ouais, c'est un kiff. Hein. Bon, au final, moi, j'avais quelques cartes Sprite en US. Bon, quelques-unes, ça me suffit. Hein. Je suis pas US fan. Hop, oh, un Tempai, deuxième. Hydra. Deuxième en 3 displays. Tu vois, celle-là est quand même mieux, hein, quand même. Hein. Non, elle serait mieux si pour l'instant. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu. Pour l'instant. En théorie, elle devrait bientôt arriver. Là. Soit celle-là, celle qui arrive, soit l'autre. Tac. Tu mets quelle heure? 17h50? Non, 17h50. Non, 30. Donc il reste que 2h. Et là, ça fait combien de temps que tu lèves là? Ça fait 59 minutes 37. En une heure, on a ouvert 14 displays. Ouais. Et il en reste. Il reste 100. Il reste 100 displays. Va falloir accélérer. Comment on va faire ça? Plutôt fort. Et on est que deux, hein. J'avoue que là. Et on est que deux, putain. Ça va être long. Mais t'imagines les power sellers qui. Pardon, non, c'est ton. Vas-y, non, c'est bon. C'est le mien. C'est gauche. T'imagines les power sellers qui en ouvrent, mais à balle. Ils sont 50 là-bas, dans les poubelles pleines à crever. Mais je pense que c'est ça. D'ailleurs, t'en as pas vu là-bas au CDF? Les power sellers? Bah, si, il y avait carte à jeu. Non, ultra jeu, fantasy sphère et carte à papa. Bon, j'ai fait quelques achats intéressants. Oh, trio gadget. Aïe. J'ai fait quelques achats d'ultimate chez fantasy sphère parce qu'ils étaient au bon prix, fantasy sphère. Ils étaient. Secrète. Pas mal. Ils étaient à un bon prix, on va dire, à chaque fois. Genre, par exemple, Uluberlu à 110-120, il prenait prix CM 110, donc c'était... Et ils s'alignaient quand même. Ils étaient pas trop plus chers que les vrais Que les vrais prix premier CM qui sont pas professionnels.
Mais du coup, après, j'en ai pris quelques-unes d'ulti. J'aurais demandé une petite réduction, histoire de ou mettre une carte. De... Bien sûr, bah, surtout on négocie. Au prix des ultis, je pense que c'est un peu normal quand même. Ouais. Mais des belles ultis, je récupère. Belles ultis, vieilles ultis. Guerrier colossal en ulti, magnifique. Qu'est-ce que par exemple, oh, pas sur une... Lien des liens. Ah, ouais, ça... je suis pas sûr de, du coup là, mais. Mais elle est belle. Elle est belle, lien des liens. Lien des liens en quarter comme ça. Lien des liens. Magnifique, magnifique. Celle-là, c'est pareil. Le prix, je suis pas serein. Alors, la sleeve ne définit pas le prix, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah bon, t'es sûr. Des vieilles sleeves. Niamine, 5 euros. Ouais, ok, bon bah. J'ai pas vraiment regardé le prix des. Eh ben, la secret qui est là. Est-ce que pour l'instant, tu aurais pas ouvert plus de quarter que moi? Je crois que oui. Hein. Ah, je suis à 4 pour 1. 4 pour 1. Pas mal, pas mal. Ouais. J'avoue, partie 2. À part, c'était. Bah non, demain, tu bosses, j'imagine. Ah oui. Moi demain je repars, sinon je t'aurais dit, ouais, non, parce que 1 heure ça aurait pas suffi, parce que je repars à 9h. Ah bah 9h, mais à 9h, quoi, comment tu veux qu'on fasse ça? Non, bah la solution c'est que j'ouvre de mon côté, je te fais une photo ou je sais pas. Moi j'avoue que. Trône du cauchemar. Ah, stylé, stylé. Après, on peut très bien faire une partie 2 en faisant un. Tu peux faire un setup. Oui, à distance, oui. Parce qu'en plus, je vais ramener chez moi mon ordi et tout, mais il faut juste que je jette une caméra. Bah, tu me montreras comment faire. Et ben, tu sais, avec juste un setup. En fait, il manque caméra. Ouais, c'est tout ce qui manque, une caméra comme ça. Ouais. Ah, oui. Ah, mais je pourrais utiliser mon ordi portable aussi. Bien sûr. Ah, pas mal, pas mal. Bonne idée, ça. Et tu peux même utiliser ta caméra de ton ordi portable. Oui, c'est vrai. En fait, il faut juste que tu inclines ton ordi. Ah, bah, c'est tout. Tu feras ça. Simplement. Bah quand tu seras dispo, moi jeudi je pourrais pas, vendredi je... Non mais on peut faire ça la semaine prochaine ouais. Bah le week-end, à la limite au week-end si je m'en rends. Par petite touche. Alors, ce week-end non mais week-end pro oui. Non bah c'est après moi je rentre, donc je rentrerai encore... Ah mais tu re-rentres? Oui. Ah c'est beau. Mais après... Comme. Je vois en plus les papiers s'il te plaît. Je t'ai donné les papiers. Ah bon? Ils m'ont ah oui ils sont là. Ah, c'est sont les tiens qui manquent. A voir, à voir. J'avoue, comme ça en plus, ça te laisse le temps de faire une première vague de CM. Oui, voilà. Bah là, en théorie, on devrait encore nous en aller une vingtaine. Ah, oui, je pense, oui. Putain, tout n'aura pas été ouvert. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps aussi. Ah, je peux pas te mentir, après, vu la quantité, c'est... ça semble assez logique. Prends compte avec le temps de déceler. Tout ça, déjà, ça a pris 20 minutes. 24, ouais, déjà, rien que de déceler les displays. Rien que de déceler. Les displays, déjà, ça a pris 20 minutes. Ou forcément, il y a un moment donné où... Du coup, petite stat, 114 displays x 24 boosters, ça fait combien? Calculette. Donc 114 displays x 24 boosters. Oui, parce qu'il y a 2736 boosters à ouvrir. Ouais, c'est... En 3 heures, ça se fait pas. Que ça. Donc ça sera bien parti 1. Ou alors parti 1, tu la montes. Enfin, on verra encore. Oh, on peut faire. Je peux parti 1 la monter et faire partie 2 derrière. C'est vrai. C'est clairement faisable. C'est clairement faisable. Aïe aïe. Chaman. Ouais, puis en plus, moi, c'est. Non, je peux même pas le week-end prochain. Je t'ai quitté, mais je peux pas. C'est le Suisse le week-end prochain. Ah, déjà? Bah oui. Déjà. Il y a qu'une semaine d'écart. Il y a que 2 semaines d'écart entre les deux. Non. Bah non, mais sinon, en semaine la semaine prochaine. Pardon, ouais. Oui, mais c'est sûrement ce qui va se passer. Bah, parce que de toute façon, moi je vais rentrer aussi, donc. Petite secrète. Ah, mais. Ah, stylé. Le problème, c'est que je vais rentrer en train, alors. Non, mais vaut mieux le faire à distance. Ouais, on peut aussi le faire à distance. Ouais, c'est pas un problème, ouais. En remote. Remote. Tout à fait. Nickel. Tac. Bon, 2736. Et du coup, 2736 boosters x 9 cartes par booster, c'est ça? Si je dis pas de conneries. T'es sûr. Oh bah dis donc. Magnifique ultra. Ah c'est ça, hein, 2300. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça fait 24 624 cartes que je vais avoir. Ça fait quand même pas mal de cartes, on va pas se mentir. Et dedans pour l'instant il y a une Miss 4. Enfin une Miss... Ouais c'est le U, donc une Miss Print du coup. C'est le U qui est légèrement... Enfin il y a un point U en foil. C'est plutôt beau, j'aime bien. Je vais la garder. Le point qui est légèrement... Non mais il y a un point carrément sur le U. Ah ouais, j'ai vu. C'est incroyable. Très stylé. Enrôlement de chaîne. Donc là c'est notre... Moi j'y connais pas grand chose en Miss, mais ça augmente réellement le prix de la carte. En fait ça dépend, hein. Ça dépend l'acheteur, les gens intéressés par Miss 4, Miss 5. Bah au CDF j'ai retrouvé un mec très bien, très sympa qui était Head Judge. Jonathan, je sais plus exactement. Je l'ai sur la deuxième secrète. C'était mon côté les secrets celle-là. Stylé. Et donc du coup j'avais des Miss 4, Miss Print, et du coup
fourguer entre guillemets à vendre, parce que tout ce qui est non français, je vais les revendre maintenant. Et donc j'ai fait des miscuts en commune, c'est genre 1€ des fois, donc même rare. Ah ouais, carrément. Sur une commune chose. Ouais, sur une commune, environ même pas 1€ des fois. En fait, ça dépend du miscut aussi, genre si c'est le titre qui est bien décalé, ça vaut beaucoup plus cher, bien sûr. Parce que le titre, s'il est juste légèrement décalé, c'est pas énorme, mais si bien sur la carte, ça peut monter très haut, très vite. Ok, ok. Je savais pas que c'était... Puis il y a des très légers miscuts, des fois, sur des ultis, quand le centrage est pas bon et que ça se voit avec les étoiles et tout, donc, ça augmente de 1 ou 2 euros, c'est pas énorme des fois les prix. C'est vraiment les grosses miscuts. Bah, ça, je pourrais t'en montrer plus tard. Des bonnes grosses miscuts, ça se valoir pas mal. Parce que c'est extrêmement rare des fois. Enfin, normal. Bah, de toute façon, plus la carte est rare, plus c'est. Plus enfin, c'est même rare, pas la carte, c'est le type de miscut qui est rare. Non, mais si c'est un miscut sur une secret, c'est plus rare que sur une commune. Ah, bah, c'est ce que je veux dire. C'est sûr, c'est sûr. Et après, du coup, dedans, il y a le type de miscut, si c'est juste un centrage, si c'est juste des petites caméras imprimées. Non, mais ça peut devenir vraiment très. Très très cher. Très cher, quoi. Ça peut monter vraiment. Ce qui coûte cher, c'est des miscuts sur des vieilles cartes. Oh là. Tac, à gauche. Sur les vieilles cartes. Ah, parce qu'avant, ils imprimaient mieux, peut-être. Non, rien à voir. Peut-être. Ou les gens achetaient. Peut-être. Les gens achetaient moins, il y a peut-être moins de joueurs. Peut-être ils étaient tous enfants, ils savaient pas que c'était une miscut, ils l'ont peut-être jeté, ils se sont dit, la carte est cassée. La carte est pas belle. La quarter les plus. Oh oh C'est qui Aïe aïe aïe. Oh C'est l'apprenti magicien. Ouais. Non. La diable Diablise. Alors là, tu sais que mec, ça... Je vais regarder parce qu'on m'en a parlé de cette Diabalista en quarter. Je vais regarder son prix parce que je suis... Ah putain, y'a pas de 4G. Oh, je peux utiliser ton ordi. Parce que je suis dans une cave. Non, mais tu peux. Y a internet, mon petit lapin. Y'a 4G, mais moyenne. Ça rame un peu la 4G. Non, mais je regarde. Ça y est, ça marche. LEDE 012. Magnifique celle-là. Magnifique parce que je sais que son prix va être magnifique aussi. Diabalista, la protectrice. Alors, donc ça, c'est la secret. Ah, la secret, elle est à 10€. Je pensais qu'elle était plus haute, la secret. Je suis curieux de savoir le prix de sarcophage en fait quand tu regardes. Ouais. Si l'internet veut bien venir. Et le 2. Ah non, en quarter du coup elle est à. Tempai. Quarter, elle est à 57 quand même, 57. Oh le Tempai. Ah 57, ça rembourse le display. Hein. Exactement. Donc, exactement. Du coup tu voulais savoir la quarter de. Quarter ou secrète, peu importe, les deux. Hein, de... Non, de. Comment, de Sarco. Alors du coup elle s'appelle comment, Sarco Page Ouais. Brillant version secret. Dans mes souvenirs, elle devait être à 60. Ah non, elle est si belle en secret. Ouais, il me semblait bien que ça faisait un peu beaucoup 60. Bah, oh, c'était qui j'avais vu. Moi je dis du coup. Et en quarter pour savoir. En quarter, du coup, elle est à 65, voilà, c'est ça. C'est ah oui, quarter, elle vaut quand même son pesant d'or. 65, 69, ouais, c'est ça. Oh. Donc finalement, c'est pas mal quand même de l'avoir tapé en quarter. Oui. Oh oui. Ah, du coup, j'ai regardé. Il y a que le gadget en fait qui pue en fait en quarter. Il y a que le gadget qui est éclaté. Carte d'or, tac tac tac. Héritage de la destruction, ça. Au passage, ça fait à nouveau une quarter pour moi. Oh, Centurion, magnifique. Oui, toujours pour toi. Centurion, Oxia. Elles sont belles, hein, les cartes Centurion en fait. Elles sont belles. Vivement que le deck soit réédité en vrai, parce que le deck coûte vraiment cher. Centurion ? Ah, tant ouais. Que ça ? À part la. Ouais, le corps du deck qui quand même encore des sous. Il me semblait que moi c'était, tu sais, les synchros qui t'empêchent de jouer, non ? Ouais. Ils sont sûrs. C'est pas qu'elle t'empêche. En fait, le deck Centurion, c'est un Calamity deck. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, en soi, c'est juste que les cartes sont chères, quoi. Mm. Les cartes sont chères. Sort serpent de ASMR. Désolé, j'avoue que là, c'est un ASMR compliqué. ASMR. La secret pour moi, le Ragnarok. Non, j'arrive pas à prononcer. Une secret de chaque côté. Ragnaraika, la graine magnifique. En vrai, est-ce que pour ta première partie du coup de vidéo YouTube qui va durer 3 heures, littéralement, est-ce que tu ne cutterais rien limite ? Ou est-ce que tu vas balancer ? Non, je vais être obligé de cutter, tu peux pas faire une partie qui dure 3 heures. Personne va regarder 3 heures de vidéo. Bah, en soi, moi, je sais pas. 3 heures d'ouverture, gros. En fait, tu vas faire quoi ? Tu vas faire 10-15 minutes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Tu mets les meilleurs moments, les moments où tu oublies secrets ou les. Les moments quarter. Ouais, les moments sympas, quoi. Les moments sympas. Les moments misprint, misquette. Enfin, j'en ai une pour l'instant. Enfin, une, l'autre, c'est plus de l'ex, je dirais. Tac, tac, tac. Hop là. Alors, qui vas-tu regarder ? La Ragnaraika. Que
veux le savoir aussi. Ah, c'est trop du cauchemar en partant, hein, cauchemar. Ah, Ragnar Rika, c'est 10€ pièce hein, quand même. Hein. 10€ pièce. Ouais. Ragnar Rika, laquelle? Celle-là. Pas mal. 10€ pièce pour une secrète. Je sais pas s'il y a vraiment une secrète dans le lot qui coûte vraiment plus que les autres. Bah, des Blue Star. Non, et les 2€. Ah non, bah, on a vu, c'était 10€ aussi. C'était 10€ aussi, donc bah. Les super valent cher aussi, certaines super, les trônes. 20 balles, 30 balles, je sais plus. A voir. Oh! Ah non! Le gadget! On en a parlé. Il fallait qu'on en ait un. C'était sûr, il fallait qu'il y en ait au moins un qui tombe. À pas se mentir, c'était obligé. Ouais, au moins un. L'apprenti coûte une blinde. D'accord, ok. L'apprenti coûte une blinde. Putain, Trio Gadget. Il est beau en quarter, il est beau, je dis pas en quarter le Trio Gadget, mais. Mais voilà quoi, mais 10 balles mais, quoi. Et le 2004, je vais vérifier en vrai. Ah, j'avoue. Après, ça fait plaisir d'avoir une quarter, je dis pas. Hein. Ça fait plaisir, mais bon. Son prix, c'est pas plus. Son prix est moins marrant quoi. Alors, en ultra, il vaut 90 centimes. Waouh. Et en quarter. Wow. Ah, il est remonté, il est à 12€. Ah, waouh. Il est à 12€. On n'est pas. Non, ouais, faut notifier, on a pris quand même un petit 2€ des familles qui fait plaisir, 2€. Et 2€ c'est 20% d'augmentation mec hein. C'est vrai. Oh, Diabolista, la protectrice en secret. Eh, c'est encore à la droite cette fois qui prime. Ouais, c'est ce que j'allais dire. L'apprenti qui vaut littéralement une blinde. Alors c'est laquelle l'apprenti? L'apprenti du cauchemar, c'est ça? Cauchemar. Il y a... Ah non, c'est magicien silence. Et le DE 029, c'est ça? Mais Apprenti du cauchemar en secret. Ouais. 25€. Ça vaut son pesant d'or. C'est vrai. Magicien silencieux en secret. Et en quarter, l'apprenti magicien, il est à 94. Pour l'instant, la quarter la plus chère, c'est le trône du cauchemar, je crois. Pour l'instant. Non, mais... Après, la carte est tellement miss que. Enfin... Et pour l'instant, on n'en a pas eu d'autres. Non. Oh, on n'en a pas eu des masses, hein. On n'en a pas eu des masses. Ouais. J'ai envie de dire, il y a même plus eu de quarter que de trône, en vrai. Hein. Exactement. C'est vraiment... C'est un délire, quand même. Aïe. C'est un délire. On le rappelle, hein, 25 000 cartes, bon, on va pas toutes les ouvrir, bien sûr. Il y a 16 heures bientôt. Ça passe vite. Ouais, ça passe, ça tourne. Il y a 6 personnes qui sont là depuis le début, j'ai l'impression. Ils nous écoutent en fond. On est monté à 12. Hein. Ouais, ils doivent faire leur game de LOL, là c'est Arthur ou autre. C'est ça. Ou Quentin sur quoi? Sur Fortnite. Non, bah, après il y en a qui travaillent, Quentin il travaille. Hein. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Ah, je bosse aussi, mais Quentin récup. Moi, tu sais, perso, je mets souvent en fond sonore au boulot. Oui, c'est bien, c'est vrai. Bah, c'est pas parfois. Pareil, mais oui. Certes, j'ai pas l'image parce que bah tu peux pas regarder mon téléphone. Des fois, t'as pas besoin d'image, des fois, en soi. Non, c'est ça, surtout que là, c'est juste une ouverture en vrai. C'est du Zulu, donc c'est là. Après, faut regarder du Ziot, des fois. Ah, mais moi, quand c'est Zulu. Perso, je mets juste en fond sonore et quand tu fais les games, l'apprentissage de Tempai ou l'apprentissage de. Ah, c'était bien, j'ai dévoré aussi, celles-là sont bien. Bah, préparation CDF là. Ouais, ça, les vidéos sont sympas et puis. Une vidéo du Zool. Et puis en plus, bah, ça va bien à regarder. Et je t'ai dit, tu peux même y laisser en fond. Il suffit que tu connaisses un minimum, entre guillemets, les cartes. Mmh. Et tu sais de quelle carte il parle. T'as pas spécialement besoin de regarder ce qu'il fait. Ouais. Donc non, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. J'en aurais du tri à faire. Ah là, je pense, ouais, tu vas t'amuser, ouais. Ouais, je confirme que là, je pense fortement que tu vas t'amuser, ouais. Là, je me dis, si en 3 heures, on a fait que 2... En 2 heures, on a fait que 2... 2 cases. 2 cases en 2 heures. 2 cases en 2 heures, chose qu'on avait fait littéralement chez Jojo, je sais pas si t'étais là à l'époque, mais on l'avait fait en 10 ou 20 minutes. Ah, mais c'était nombreux, je crois. Ouais. On était 10. Ouais. Chacun sa disquette, non? Bah non, parce qu'il y avait deux. Il y avait... Ah, deux si, il y avait... Non, il y avait une caisse et demi, t'as raison, ça faisait que chacun sa disquette. Ouais. Donc, ouais, non, c'était. Ça allait plutôt. Plutôt vite. Je vais juste voir le prix de la messe. Ça va les jeux, hein. Ultra 3 les jeux. 2€ selon, je croyais. Bah, la Sneaker, ils ont mis 30, je crois, c'était plus. C'est dark. Tac tac. On a oublié de compter les ratios Tempai aussi. Hein, toutes les deux ou trois grand max. Allez. Ouais. J'avoue que le blanc en vrai c'est pas une.
C'est pas une réussite. Ah bah quand voilà, on en parle. Voilà, merci. Je crois qu'on en a eu un seul participant encore. Enfin, on n'a jamais eu deux participants dedans. Non. C'est fou, c'est fou. Tu sais comment j'étais content de pouvoir jouer le mon deck quand il est sorti. Tu m'étonnes. Oh là là. Des fois quand le plastique est chiant, c'est peut-être une bonne carte dedans. Le plastique, c'est faux plastique. Non, vraiment mes révélations. Ah mais oui, c'est le nouveau jugement plus. Oui, c'est le. Pour les SL, pour les Seigneurs Lumière, on a révélation. Seigneurs Lumière, ouais. Magnifique carte aussi de vache en super, mais on a en ultra avance. Ah, Veil de Sapporteur du Temps. Raika. Ouf. Ah, mais en même temps, quoi. Oui, la même... tu es de la secrète, d'accord. La secrète en même temps. Allez, étoile de feu encore, bah, la même carte aussi. Étoile en fleur. Ah, est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va, c'est. Là. Dandelion. Est-ce que c'est possible d'avoir. La quarter en même temps. Ça, franchement, ce serait vraiment incroyable. Ça serait pas mal. La quarter en même temps, ce serait vraiment une dinguerie quand même. Oh, un ultra Veidos. Non, vivre maman. Pas fou, je prends cette carte prochaine. On va lire leurs effets. Parce que vrai joueur Yugi ne lit pas toutes ces cartes. Hein. Je vais non, c'est vrai. Je vais encore prouver aujourd'hui. Les terrains ténébriques, bien sûr. Terrain Tenny, incroyablement. Zeus, effet de Zeus, je tombe bref token qui reste. Oui, c'est le terrain Tenny, voilà. Magnifique. La super, la super, toujours de la super. Ouais, ouais, ouais. Et la dernière, ça devrait être. Rien chez moi. Oh, du gobelin, du motard. Incroyable. Rien chez moi, rien chez moi. C'est que ça commencerait presque à piquer des pouces ou des doigts. Ah, je t'ai dit, en vrai, c'est. Vu le nombre, vu la quantité. J'ai dit, moi j'ouvre plus rien pendant 10 ans après. C'est terminé. Ah bah oui, pareil, pendant des mois je vais rien acheter. Ah bah là. Enfin, ça dépend, j'irai peut-être voir faire un tour au CDE envers. En tant que vendeur, du coup. Vendeur, joueur de Side Event. Ah oui, voilà. C'est vrai que tu peux aller sur place même en étant. Oui, hein, même si t'as pas ta qualif. Hein. Même si t'as pas ta qualif. Hop, désolé pour les CMR. Non, après, est-ce que ça vaut réellement. Enfin, ça vaut réellement le coup. Si t'arrives à faire des bonnes. Bah, au side event, oui, moi je pense. Ça reste des side events intéressants. Ouais, puis, ça reste quand même des. Acheter, vendre des cartes, puis même voir les gens qu'il y a. Ouais, échanger ouais. Avec d'autres gens en allemand, en anglais, enfin en anglais, pardon. Ouais, est-ce qu'en allemand ouais, les allemands, perso. Non, pareil, je parle pas trop allemand pour l'instant. Je fais quelques mots, une phrase ou deux en allemand, mais c'est pas très YouTube friendly, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Non, mais en vrai, c'est. Je vais en faire des lots de cartes là, je pense, sur Vinted, sur CM. Sur Vinted, des. Après, l'avantage, c'est que t'as toutes les dernières, les nouvelles cartes, quoi. Oui, toutes. Bah là, oui, toutes, oui. Là, je pense que celui qui veut faire le playset, le full set, le full. Full ce que tu veux, là, à mon avis, tu l'as. Bah, sauf les quarters, je n'aurais pas, même toutes, je n'aurais pas. Voilà. Ah, toutes les quarters, c'est possible. En théorie, mais pas en playset. 115, 28, 28 quarters. Pour l'instant, on a une différente à chaque fois. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas eu de doublon. Je sais pas combien il y a de quarters différentes. Il y en a au moins 10, 12 de quarters. Bah, au moins 12 de quarters différentes. Vu qu'il n'y a pas eu de doublon, en vrai, il y a moyen. J'espère. On va voir. Multi. Bon, par contre, j'aimerais bien avoir un peu plus de sarcophages brillants. On l'a toujours pas eu. Bah, franchement, en secrète. Mais elle est encore toujours pas là. Hein. Oh bah lui on l'aime bien lui. Encore la, pas la, plante, hein, la plante. Ah bah moi je préfère le. Je préfère le dragon. Les deux, c'est une dinguerie quand même par contre en vrai. Oh, c'est une dinguerie. Les mêmes au même moment. Pour l'instant, il y a un de quarter de booster sur ce display. Ouais, ouais, non mais clairement. Hein. Franchement, clairement. Hein. Le 2-0-13. Le début de la vidéo était genre incroyable puisque du coup on ouvre. Je vous la quarter quasiment dès le début. C'est vrai. Et après. Calme plat, de temps en temps, t'en as une qui pop, mais Ça vaut quand même 10-12 balles le Redmar quand même. Oh, ouais. Ça va, ça va. Bon, c'est quand même pas mal en vrai. C'est vrai. Oh, fierté d'or là. On a pas eu de. Trône du cauchemar depuis un bout de temps aussi. Hein. Après, est-ce que c'est pas bon signe? Est-ce que c'est pas pour l'avoir en quarter? Quarter. Toi aussi, tu aimerais l'avoir. Bah, j'aimerais bien voir à quoi elle ressemble. Oui. On va pas se mentir. Ça serait bien. Bah, c'est. La même, mais avec du brillant. Ouais, ouais, mais justement, mais l'avoir dans les mains, c'est pas pareil. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est plus joli. Oui. Quand tu la vois devant tes yeux, c'est plus joli. T'es d'or, tac. L'avoir en dessin, c'est joli aussi, mais c'est différent. Hop. Allez, il est même pas 16h, et on a toujours pas fini, là, la deuxième case, entre guillemets. Après, ça va, on trace. Hein. Je pense qu'il y a moins qu'on ait fini le banc.
Le banc, oui, du coup, ouais. Parce que derrière, on a... Ouais, il y en a autant. Il y en a autant. Ah, je pense qu'il va pas y en rester beaucoup, en vrai. Je pense qu'il va y en rester. Je pense qu'on peut faire la moitié, peut-être. Ouais. Oh, bah oui, 10h30, 1h30. Ouais, quand même. Ouais, je pense droite de mon côté, gauche du tien. Toujours, toujours. Bon, au final, ça a pas trop... Toi, t'es plus ouvert de quarter à gauche. Ouais, et toi, plus de secret à droite. J'avoue. Final, hein. Il y a eu quelques displays où c'était quand même assez respecté. Genre... où on a eu les... À gauche, peut-être. Non, 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 là, depuis Ah oui, les displays. Où il y avait vraiment une secrète de chaque côté. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc au final, ça veut rien dire, ça dépend des displays. Mais après, il y a eu quand même plus souvent de de secrètes de ton côté. Oui, bon, c'est vrai. Coup. La droite dure, la droite forte, la droite secrète. La droite secrète. Après, mais si t'es quelqu'un de persévérant... Oh, t'es pareil. Si t'es quelqu'un de persévérant, t'achètes que les boosters de gauche, tu devrais avoir plus de quarter. De quarter. Les théories fumeuses du gros dino, bonjour. C'est ça. Les statistiques et le dino. Ah, les stats pour l'instant disent que j'ai raison. Hein. T'en as ouvert deux, j'ai ouvert le reste. C'est vrai. Les stats me donnent raison. Ouais. Tac, tac. Centurion. J'aime pas lui. Oh, apprenti du cauchemar. Normalement, stats à secrète, j'ai la mienne. Oui, voilà, magicien en même temps, encore magicien. C'est ce que je vais dire, si t'as ta secrète, j'ai la mienne. Est-ce qu'on va peut-être une quarter bientôt? La dernière qu'on a eue, c'est un gadget. 12 euros, pas ça. Allez. Et ravivement du cendré, hop là. Pareil les gadgets. Ça a l'air d'être sympa. On en a pas tombé tant que ça non plus. Oui, en ultra, mais, oui. Tant mieux, j'ai envie de te dire, tant mieux. Ouais, ah bon? Après, fierté d'or, bon, est-ce que c'est mieux? J'avoue qu'il y a des cartes que t'as pas spécialement trop. Où sont les trônes du cauchemar, putain? Où sont les trônes du cauchemar? Ouais, c'est vrai que ça fait un moment. Trônes du cauchemar, ça fait vraiment un moment. On va terminer la case là. La deuxième, ah ouais? Ouais, bientôt, encore deux ou trois. Une quarter bientôt en théorie. En théorie, bien sûr. Ouais, j'espère parce que il me semble qu'on en a ouvert qu'une. Deux. Ouais, je vais compter. Bah, trois pour la première. Ah oui, trois pour la première. Il en manque une, c'est ça, il en manque une. Il en manque une pour que les ratios soient entre guillemets respectés. Ouais, une toutes les quatre. Pour le pire des cas, en vrai. Non, parce que c'est pas une science exacte. Oui, c'est pas une science exacte. En théorie, la moyenne. Tu peux en avoir genre 2 sur la case 1 et 4 sur la case 2. Ah oui. Ouais, je vois. Après, c'est pas donc, des cases objets, mais bon. Non, vient, mais d'accord, ça vient, mais de ça case, vient forcément de case, tu vois. Ouais, donc en vrai, il suffit que le gars d'après. Enfin. Ouais, je vois. C'est malheureux hein, ce que je dis, mais. Ouais. Et c'est pareil, vu qu'il en a 114. Techniquement, oui, bah, 10 cases, soit moins de 9 cases, soit t'as 2 de ton côté, soit t'as qu'une, ou soit 0, c'est un rang pas de bol, mais normalement, 0, j'espère pas. Gauche, monsieur Matt, droite pour moi. Alors, là, normalement, c'est la 11ème sur 12, donc là, c'est pas la quarter, ça va être bizarre l'ambiance. Non, c'est que reste la deuxième. Ah oui, c'est vrai. Bah du coup on espère un trône du cauchemar du coup. Bah, les trônes du cauchemar ils sont très... Par contre ouais, ça fait deux fois de suite, ouais, ça fait deux ou trois displays de suite qu'on n'a pas eu de trône du cauchemar. Ni en ultra, enfin pas en secret, non en ultra. Non, je veux dire, okay, bah, ni trône du cauchemar ni sarcophage brillant. Ouais. Ça c'est... Bah sarco on en a eu zéro. Regarde, les secrets sont devant nous, ouais. On en a eu zéro. Putain, une par case. C'est bizarre d'ailleurs que le prix soit si faible. Au vu de la rareté de la carte, quand même. Enfin, faire des investissements une fois de plus. Voilà. Ça va acheter quelques cartes. Ah, les ratios. Alors lui, je le vois tout le temps. Lui. Secrète. Si, stylé, Centurion. ED2042, faut que je regarde ce que ça vaut. Tempai. Hein, toutes les deux, ou presque. Tempai blanc. ED2042. Centurion, qu'est-ce qu'il vaut Centurion? Il vaut 3 gadgets. Il vaut 3 gadgets. Ça va. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça qui est ça, quoi, on va dire. Ouais, Centurion, de dire que ça vaut. On va dire qu'il est bien, il est joli. Ah, magicien silence 0, il vaut un peu plus. On va dire qu'ils sont jolis. Ouais, une petite quarter là. Une petite, comment ça s'appelle? Là, t'as eu le magicien toi? Ouais, magicien silence 0. Allez, une petite quarter, non, pas du tout. Il me reste 3 boosters et toi? 3 aussi. Allez. La cadence a augmenté. Ah bah, bénédiction. Moi j'ai un tempai. Oh, stylé! 2 tempai!
dans la même dispé. C'est comme dispé quoi, première dispé avec deux tempai à l'intérieur, comme quoi tout est possible. Trône du cauchemar. Oh là là, non, ça c'est la dispé. Bah, vu que les secrets c'était bof, hein. Quoique elle est 2-0-0-3, enfin voilà. La dispé celle-là, il manquerait plus que... Ah non. Ah j'ai vu que c'était un tempai, ah non, c'est là. J'ai dit, attends, imagine la quarter qui tombait maintenant. Et là, franchement, t'avais les deux blancs, plus le trône, plus la... Non, la quarter 5 orèges brillants sur la piste. J'espère la tomber. Sinon, tu m'as dit la seule qu'il faut pas qu'on ait. On l'a eu. On l'a déjà eu. Je vais regarder le prix des autres, bien sûr, mais il y en a qui doivent pas être folles. Voilà, après... C'est normal, après, c'est les quarters Century, et les gens n'ont pas forcément les jeux. Puis ils sont pas joués. Bon, les quarters Century sont belles, après... Elles sont pas jouées, je veux dire, Trio Gadget. Après, ouais, Trio Gadget, bah, il est joué que dans un seul deck, donc... Bah... Et oui. Il peut le jouer en machine, ouais. Gadget machine. Salut les gars, salut tout le Doll Boss. Est-ce qu'il vient de... Dorian. Ah bah, Dorian. Je te lance le sonnet. Ça fait longtemps, ouais, clairement, ça fait clairement longtemps. Non, Dijon. Dijon. Bon. Non, n'importe quoi. Lance, Doll. Bah, Doll. Le Jura, tout ça, on connaît. Fait ça. Ah, clairement, ça fait longtemps, Dodo. Dis-moi, Dodo, t'as fait le CDF, toi? Ou pas du tout cette année? Cette année, t'as fait un pass ou pas? Réveillez-vous, sans tu sais que Mike y est allé. Mike! Oh! Raison, Ragnarok. Je sais qu'il a fait. Mike a fait un bon résultat, ouais. Mike était bon. Non, ça fait 5 mois que j'ai fait une pause. Ah ouais! Ah, mais oui, Dorian, mais oui, c'est le sien, sœur, oui. Ouais. Enfin, sœur avant. Bah, d'ailleurs, Alex, tu crois que c'était qui? Non, deux, je confonds avec Raymond, un autre gars. Paris, Mike, ouais, il est chaud. Ouais, il est chaud en ce moment. D'accord, mais je savais même pas que t'avais fait une pause. D'accord. Ah ouais. Ça, c'était quoi avant Sœur? C'était New Games Info, hein. Verdun, c'était là. Verdun sur le loop. Verdun, voilà. Verdun sur le loop. C'est ça. Il n'y a plus rien. Où sont les quarters? C'est la dernière. C'est les quarters. Donc, une quarter. Après, du coup, ouais. Bah, je t'ai dit, après, ça veut dire que sur celle de. Voilà. Celle d'après, il devrait en avoir 4. D'après, il peut en avoir. Ouais, c'est ça, tu peux en avoir 4. Et là. Si, c'est pas une science. De toute façon, c'est pour ça que Konami ne marque plus. Les ratios. Ne marque plus les ratios. Ouais, les ratios. Marqués, non. Si, si, au début, les anciens boosters, c'est écrit. Bah, avant, c'était marqué ici, genre, vous avez... Ouais, mais là, c'est le... Non, avant, c'était le conflit. Là, ça te dit juste, tu as 6 cartes. Ouais. Hop, secrète. Par contre, attends, mais on en parle, le nombre de Ragnar qui est dans cette... Je veux en vendre un petit paquet de graines de plantes, là. Payera. Stylé. Donc, ouais, Dodo, comme tu peux voir, on a Alex qui a pété un plomb. Oui. J'ai acheté beaucoup de displays, peut-être trop. Beaucoup trop de displays, j'ai même envie de dire, mais... Ouais. Bon, je vais voir les ratios, les quarters, faire un peu d'achat-revente, tout ça, tout ça. Ah, Tempai! Bah, deux encore, là. Je vois ça, c'est beau. Alors, je sais pas si c'est beau. Je peux juste te dire que c'est trop, oui. C'est trop beau. Bah, c'est mieux que plusieurs secrets ou ultra qui valent pas grand-chose, ouais, c'est vrai. Notamment rien. Enfin, alors, le problème, c'est que si moi, je l'ai pas là... Ouais, et bah tu as t'es trop tard, parce que j'allais dire moi je l'ai pas eu là. Mmh. Donc tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu t'es pas obligé d'avoir des ratios Non. Et non. Harponneur pour son bord. Non, bah, tu vois, comme je dis, c'est pas un c'est théorie, pas une source exacte. Ouais, en théorie, prochaine display, prochaine prise. On attend d'en faire une case en théorie. Ah bah oui, bien sûr que oui. Ah oui, donc on a 1h30, on a fait deux cases entre guillemets. Ouais. Donc quoi, on va faire deux cases en théorie. C'est ça. Donc, waouh. C'est vrai que ça prendrait autant de temps. Ah bah après... Mais c'est bien ça. On peut pas aller plus vite là pour le coup, je pense. Là, enfin, on a le temps que je range comme il faut. Comme ça, ça va pas tout tomber dans la voiture. Ouais, oui. Okay. Puis j'aurai bien le temps bien dans les bien sacs rangé, tranquillement, demain. Parce que j'ai prévu des sacs. On mettra bien tout rangé comme il faut, mais ouais, ça fait quand même pas mal là. Ça fait pas mal. Est-ce que tu as à tout hasard des boîtes métalliques en plus à tout hasard? Ah, pardon. Ouais, j'en ai une ou deux en vrai. Que je te refilerai. Ouais, gauche. Je suis entre. Ouais, à gauche. Gauche, droite. Ouais, j'en ai encore une ou deux. Ça joue quoi? Bah, moi ça joue Fur déjà. Wow. Ça c'est de la bonne. Ça c'est de la bonne. Imagine un deck Fur. Non, moi je joue Tempai en ce moment. Comme d'hab, un deck go second. C'est fort, bien, bien cancer. C'est sympa. J'en ai battu. Ok, je me tire. Oh, Reddy.
Non, non, c'est vrai. Pour sa blague, ouais, je suis d'accord, vas-y, vas-y. Non, j'ai fait je un... re-arrête, tu le dis. Non, non, t'as raison. Re-arrête. Non, c'est la méta YouTube. Ah bah attends, fait... parce qu'il t'a pas encore dit ce que lui jouait. Hein. Bah, Runic Stone, mais c'est bon, je me suis fait vacciner. Voilà. Non, mais c'est bon, j'arrête de. Oh, lui, ça fait un bouton qu'on a pas vu. C'est pas ça, silencieux zéro. Oui, c'est vrai. Trop du cauchemar, let's go. Non, mais du coup, ce que je disais, oui, Runic Stone, ça m'a vacciné pour ses devs, parce que j'en ai marre de jouer autant. C'est trop la merde de jouer autant. Ah, non, mais là, c'est une dinguerie, en vrai. J'en ai perdu deux comme ça au time, comme un coup. Depuis le temps qu'on te le dit d'arrêter de jouer Runic Stone. Elles sont belles, Non, bah, du coup, je vais jouer Fuse Vagabond Breeze, je pense, maintenant. Et Tempai. C'est viable, Stone Runic. Ouais. C'est viable, après, est-ce que c'est bien Non, c'est presque cool. C'est relatif, c'est cool. Hein. Ah, c'est bon, les cyclones cosmiques, les machins, les plumeaux, j'en ai bouffé. Mais ouais, c'est clairement viable, t'en as encore un qui a top au CDF, hein, si j'ai pas de bêtises. Hein. Donc ouais, ouais, ça tient la route après. Oh, Ragna. Dis donc, une graine. Ah, mais c'est la nouvelle. Ah, mais on a pas fait les. Ah, non, c'est pas. C'est bah attends, on enlèvera. C'était qui non, moi j'ai rien eu d'autre. Ah, mais si, c'est toi qui as eu. Non, t'as pas eu de secret. C'est la première. C'est la première secret, ouais. Ça, c'était un nouvel. Ouais. Ça, les ratios sont pas fous. Bah, putain, y'a pas eu de. Y'a plus de dinguerie. Y'a pas eu de trône sarcophage doré. Non. Et l'ultra, bon, l'ultra. Tac. Mais ouais, ouais, y'a. Runic, malheureusement, est toujours viable. Et oui. Pour que ce soit plus viable, faudra mettre Fontaine à 1, je pense. Comme sur Master Duel, Fontaine à 1, c'est galère. Ça me permet aussi quand même de casser des culs. Parce que... Fontaine à 1, oh, ou alors réduire peut-être le. Non, Fontaine à 1, c'est bien. Ouais. Non, ça suffit juste, ça, ouais. Fontaine à 1, c'est sûr, bah t'as plus de fontaine si tu la bannes avec Cyclone. Tu fais c'est terminé, quoi. Bah, des fois, je me disais sur la semaine, putain, mais j'ai fait l'effet de Gin, où est ma deuxième fontaine? Bah, non, attends, je peux plus. Non, j'ai fait pointe, mais où est ma deuxième fontaine? Bah, j'en ai plus. C'est vrai, c'est limité. Ah, oui, du coup, tu peux même pas aller tuto. Enfin, t'as obligé de jouer limite la magie continue pour aller chercher. Non, mais si tu me l'as détruit, je fais le. Oh, bah, non, super, les graines. Je fais le de celui qui ramène depuis le cimetière. Ouais. Freaky, je crois. Non, mais c'est la cyclone. Si me la cyclone, t'es je mort. Suis dans la merde. Oui. T'es mort. Mitigé là, Ragnarok et Ragnarok. Mais du coup, Dodo, toi, donc tu as arrêté, enfin, tu as arrêté, tu fais la pause pour l'instant. Mais tu suis quand même un minimum ce qui se passe, non? T'as vu des petits trucs qui te botteraient, entre gros guillemets. Merci. Qui pourraient te chauffer ou pas du tout complètement. Ouais, tu suis quand même, ok. Tu suis, t'attends le CDE et puis après le CDE passé, on redémarre la nouvelle saison et là tu te remets dedans. Je comprends pas tout parce que je jouais pas trop. Mais je suis ok. Ouais, bah logique. Gauche-droite. Moi cette année, je vais essayer de faire le suisse et c'est mon objectif est exactement. Enfin, également de faire. Et du coup, tu vas à quel deck en Suisse? Tempai? Ah, c'est bien ça. Est-ce que tu as vu la DL que je t'avais fait? Enfin, oui, tout le monde l'a vu normalement. La DL du mec qui avait fait 119ème, je crois. Tu sais que j'avais affronté en side event. Ouais. Ouais. Ça dépend, après c'est pareil, tu vois, ça dépend, oh, ça dépend ce que tu cherches à faire, quoi. Ouais. J'ai vu que ça jouait Yubel, Yubel ça va être très fort. Hein. Ah, Unchained, enfin, Unchained, oh ouais, Yubel Unchained ça va être très fort. Ah, c'est la deuxième, je crois, non. On l'a déjà, celle-là, non, on l'a pas. Non. Ah non, bon, bah, nouvelle, Floraison Ragnarok en Starlight, Quarter, Floraison Ragnarok. Ça c'est un moment qu'on en avait pas eu quand même. Ça c'est pour Jojo, peut-être. Si je bonne question. J'en verrai rien. Je voulais jouer aussi en Suisse, mais plus de place. Ouais. En vrai, faut vous pointer, je pense, au culot et il y a toujours de la place. Hein. Parce que par exemple, au CDF, on était 2230, je crois. Ouais, enfin, ils avaient annoncé 2500 places. Hein. Moi, je pense qu'on peut y aller le jour même et tu demandes s'il y a de la place. Après, si t'es prêt à faire 3 heures, alors pour le CDF, c'était même 8 heures hein, depuis chez nous. Ouais, moi, vu que je suis dans le nord, je bosse dans le nord, bah, j'étais à 2h, 2h30, donc ça va. Mais oui, 8h, ça fait long. Et toi, t'as déjà fait le Suisse, Dodo, ou jamais? Sur voiture, on m'a dit que le Suisse était plus facile, entre guillemets, moins compétitif. Ah ouais, le Suisse? Ouais. Bah, vu qu'il y a moins de gens. Il y a moins de monde, déjà, pour commencer, donc ça fait plus, genre, un gros WCQ. C'est vrai. Il y a combien de places au Suisse, ça va? 370, je crois. C'est pas énorme. 370? Bah, il me semble avoir vu ça. Hein. C'est comme le gros WCQ de Lyon, au final. Non, parce qu'on était 500. Vous voulez séculer? Ouais. Oh. On était pas 500. Oh. Non, on était 300. On était 258, non, c'est comme ça. Non. Ah non, on était plus que ça à Lyon. 300, ah bah, je suis presque sûr. Attends, tu te souviens de la salle qu'on était petite? Bah ouais, mais il y avait 3 salles. Hein. Ah oui, ouais, 2 Il y avait toutes les petites à côté, il y avait. C'est vrai, c'est vrai.
Donc en vrai, non, il y avait masse place. Enfin, il y avait masse place, non, c'est faux. Il y avait masse de salle. C'était galère, la wifi. Masse place, non, c'est faux, complètement. Alors, j'ai eu les deux secrètes. Donc, Diabolistar en ultra. Donc, normalement, un booster. T'as eu les deux secrètes. Ouais. T'aimes pas, tu m'en as pas dit. Ouais. Ah, faut que je prenne Stax. Oh, mais c'est... On était 4000, je m'en rappelle. Ouais, franchement, vu comme on était serré, ouais, on était 4000. Je te jure, on était 4000, vraiment. Et le mieux, rappelle-toi, Léo. Rappelle-toi quand t'étais au fond de la table. T'es le moment où t'es le mec qui galère, le mec qui regrette d'avoir trop bouffé à la cantoche. Là, franchement, moi, je l'ai bien, bien connu, ce moment-là. C'était une dinguerie, ce moment-là. Je voulais la clim. Ah, mais la clim, c'est même plus la clim, gros, c'est... C'est dingue. Et le mieux, c'est ceux qui ont réussi à top. Hein. Eux, tu top, t'as pas de lumière. En fait, si, il y avait un peu de lumière. J'étais des fois dans mon top. Mais... Si, il y avait un tout petit peu de lumière. Ça faisait boîte de nuit, en fait. Tu pouvais lire les cartes, mais il fallait bien incliner, il fallait bien regarder. Puis il y avait de la lumière qui faisait un peu de la tectonique. Là, qui faisait tout. Voilà. En vrai, c'est que ça devait être une dinguerie. Vraiment. Ouais, c'est chiant. Jouer sur ce genre de table, ça devait être horrible. Je vais peut-être te décaler le paquet de super. Hein. Bah, range-le en vrai si t'as une si tu veux. Bah, non, justement, j'ai pas de chance. C'est pour ça que je t'ai demandé les. Ah, une boîte. Les ouais, boîtes pour les super. Je comprends. Les super et les ultra, c'est un ado. Plus de marshmallow. Hein. Ah, le centurion qui est à 2,80€. Ouais. Premier PCM. Aïe. Je pense que c'est littéralement le centurion le moins cher de du deck. Hein. Les autres, ils valent quelque chose. Oui. Oui, oui. Ah, oui, ils sont tous en ultra. D'ailleurs, faut demander à Lionel Lillal deck centurion. Je sais plus laquelle c'est qui coûte. Il y en a une qui coûte vraiment cher, genre vraiment. Hop. Je commence à avoir des courbatures dans les épaules, t'es à force de. Moi, c'est les doigts là, à force d'ouvrir les boosters. Mais c'est bien du coup, encore une heure et quart de trucs comme ça. Et ça fait mal. C'est vrai. Emblème, c'est 25 balles. Emblème Centurion, 25 ah, balles. Ah, mais je connais pas le deck Centurion, j'ai vu à peu près ce qu'il faisait. Mais... Je l'ai vu en action. Non, mais tu vois, c'est pour ça que tu disais, il y en a qui coûtent vraiment. Vraiment cher. C'est vrai. Elles ne font pas semblant. C'est des vraies cartes de papa. Sort serpent du. Oh ! L'apprenti du cauchemar, magnifique. Attends, deux en deux boîtes. Voilà, nickel. Là, c'est la race qu'on veut là. Là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, là, c'est ça. Ça se trouve, tu peux bien arriver à 4. Magnifique. Ouais, c'est vrai. Et c'est celle qui coûtait déjà cher. 80 balles environ, je crois. En secrète. En secrète, elle était à 20, je sais plus. À voir. Ouais, c'est la troisième boîte. Troisième boîte. La boîte d'avant, on en a pas vu. Le spade d'assassin silencieux, il ressemble vachement à. Bah, spade d'assassin silencieux. Non, il ressemble à. Comment ça s'appelle Au Blunder Patrol, je trouve. Ah, c'est vrai. Du coup, tu as eu les deux autres secrets, du coup. Bah, Centurion uniquement. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, la dernière secrète, elle est dans ton booster ou bien? Parce que moi, j'ai pas de secrète. J'ai eu que la. Goliath, elle est forcément chez toi, du coup. Ouais, j'espère. Bah, j'espère, parce que du coup. Allez, un petit trône du cauchemar? Non, pas trône. Elle est là. Ah, l'apprenti du cauchemar. L'apprenti. Ah bah, la même. La même. Donc, j'ai eu les deux secrètes et tu as eu les. La porteur. Donc, ça change. Donc, ça change en fait. Tout à l'heure, c'était complètement l'inverse. Et là, bah. Ah, c'est pas d'ascension, je suis d'accord. Aïe. Hop là. Contre, j'ai vu on a regardé tout à l'heure le prix du spadassin. Enfin, le spadassin, le prix de l'apprenti, pardon. Ouais. Aïe. Aïe. Hop là. Ah là. Vas-y, c'est parti. Gauche. Allez. Droite. Nous voici repartis. Pour la quatrième display. Allez, encore une petite quarter, ça serait bien. Alors, là, on a eu que des quarters différentes, en vrai. Ouais, ça c'est donc on s'en sort bien. C'est plutôt cool. Hop. Moi, je suis pas contre trop du cauchemar en quarter, j'ai envie. Ou, non, l'autre sarcophage brillant. Ça serait sarco en quarter, j'avoue. Ça serait bien, ça serait bien. Et mes petits diabolistars, les petits trucs là, les petits. J'avoue, le trône serait juste incroyable. Attends, j'aimerais juste vérifier un truc, mais on a pas tapé de Tempai encore. Non. Je vois pas de Tempai blanc là. Ça fait combien 4 MSP, pas de Tempai blanc. Ça
fait mal. Ratio pourri, franchement, quand tu vas faire le tableur, tu vas y voir direct les ratios. C'est l'habitude. Ouais, je mettrai toutes les super, ultra et secrètes et je mettrai à chaque fois le nombre. Je commencerai du coup ce week-end. Tenpai, suffisait d'en parler. Bah, tu vois, il suffisait d'en parler. Dizo, pas cher, pas cher. Ouais, on paye dans. Je pense qu'il était une émission qui a descendu à 8. Non, en fait, non, j'ai regardé la 9. En moins cher, la 9, c'est. Et le premier prix tri, il est à 12. Et je pense que ça va être les moments, le moment, entre guillemets, de les vendre dans pas tard, parce que. Certes, il y a du support qui arrive, oui, mais vu qu'on arrive. Fort. C'est très fort le support. Oui, mais vu qu'on arrive dans la fin de saison. Et ben, qu'est-ce qui se passe en fin de saison? Et ben, les gens revendent leur deck. C'est bon l'été, les gens ne jouent plus, en fait, finalement. Il y a pas trop d'événements en été? Non. Ah ouais? Il y a zéro événement en été. Pas d'OTS. C'est pas trop, il y a zéro événement. Ah, zéro? Ah ouais. Bah ouais. Tempaille! Deuxième Tempaille! Là, deux Tempaille en une dispo. Incroyable. Incroyable, deux Tempaille. Bon, je pense que tu cutteras quand je mets à Tempaille. Ouais, je me débrouille, ouais, t'inquiète. Tu vas. Putain, les sœurs de rush que tu vas te manger. Oh, tu fais tout en x2, j'imagine, et après, tu vois. Tu vois comment tu vas faire, aussi. Ah, je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Ouais. Ça va être des beaux moments. Donc là, c'est à dire qu'en stream, je peux lâcher des dingueries. Non, peut-être pas quand même. La deuxième secrète. Stylé, stylé. Et bien qu'il y a. Je n'ai rien eu. Bah, moi, j'ai eu les deux secrètes. Okay. Si, j'ai eu des tempailles. Les deux tempailles, j'ai eu deux secrètes, chacun son délire. Les deux putains de tempailles, bon, magnifique. C'est vrai qu'une une display offre 3 tempailles d'un coup, c'est incroyable. Bah, je t'ai dit, j'ai vu un gars sur sur Facebook hein, qui avait eu 3 tempailles d'un coup. En une display. Ouais. Incroyable. Voilà, deux sont pour l'instant, c'est le meilleur, deux. Sur le groupe Tempest d'ailleurs. Le mec se l'a raclé en mode. Bah oui, on peut jouer et tout. Tu peux jouer en une seule case. En une seule boîte, pardon. En une case, on a forcément pas trop. Ah si, il y a plus la tour. Bah si, en une case, on en a déjà eu pas mal quand même. C'était un toutes les deux, je crois, Vas. Allez, c'est reparti. Pour la cinquième boîte, je crois. Cinquième. Allez. Ça fait 25 boîtes qu'on a ouvert, ça veut dire. C'est la 25ème boîte. On n'a pas fait encore un quart du chemin. Non, ok, c'est 12. 12 et 12, 24, 25, 26, 27. Non, c'est la 29ème. Ah, 29ème boîte. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Et c'est même pas. C'est un tiers du chemin, même pas un tiers du chemin. C'est pas un tiers du chemin. Un tiers du chemin en 1h50. En presque en bientôt 2 heures, quoi. Putain, 1h40. Ah non, mais ça prend du temps, on dirait pas comme ça, mais. Je vais mettre du temps avant de les trier, de les vendre, en étant vente. Ah non, bah. Je pense que. Enfin, je suis. Le fait de faire en deux parties, je pense que c'était pas plus mal. Oui. Ça te met le temps de pouvoir les mettre. Est-ce que tu balances deux vidéos YouTube d'un coup? Non, non. Ou tu non, non, je vais faire une partie 1, une partie 2. Nickel. Trône du cauchemar, c'est cool de le voir. Ça fait longtemps. C'est cool, c'est cool. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est la secrète. Il y a encore Voidos, voilà. Non, c'est bien à voir, là, c'est la secrète. Bah, c'est quoi, ça s'appelle sarcophage brillant qu'on met une seule fois. Je crois que Voidos coûte un petit peu de sous aussi. Hein. Pas okay. Excessif. Varus, là? Ouais. En secrète, et le 2,45€. Ah ouais, il me semble qu'elle coûte un peu de choix. Oh, regardez ça. Tolem, roi, j'en sais encore un. On t'aime pas, c'est vrai? Ouais. Incroyable. Vaidros, le dernier. 12 balles, ça va être 13. En fait, j'ai l'impression que 10 balles c'est le prix des secrets. Mais ouais, c'est fou. Bah, 2, 10, 12, 12, ouais. Non, mais c'est, je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gros secrets. Hormis la petite, on a dit l'apprenti, là. Ah, il n'y a pas de grosses. Peut-être parce que les ultras sont un peu plus intéressants, j'ai l'impression. Bah, trop de cauchemar et tout. Non, c'est bien. Bah, après, faut que ça. Ouais, mais attends, mais à part trône, justement. Faut que ça top, il y a pas. À part trône et la voiceless. Et... Non, même pas, parce que je crois que la voiceless coûte rien. À part trône, il y a quoi qui est intéressant dans les ultras? Bah, les seigneurs lumière, on va dragonner Minerva, mais pas très cher. Pas si cher. Ouais, finalement. A voir, à voir. Tac. Floraison, mais ça, je sais pas regarder comment ça vaut les Ragnar. Je crois que ça vaut 12 aussi. Ouais. Ragnar Ragnar. Non, c'est celle-là qu'on a utilisé 12, celle-là, je sais pas. LDE 058. Hop là. Je te laisse arriver, t'as un temps de range. Hop là. Non, j'ai plus de batterie. Non, comment ça se fait? Bah, parce que j'ai pas chargé. Je peux recharger, je peux recharger. T'as pas avec tous tes câbles là qui traînent, t'as rien pour recharger? Bah, mon câble est déjà branché.
Ah oui, c'est un autre téléphone qui fait. C'est ça. Et d'ailleurs, tu m'as dit que t'avais changé de téléphone parce que tu galères à écrire, non, des fois. Ouais, après. Donc ça s'est arrangé. Ça a rien changé. Ça a pas changé grand chose en vrai. Du coup, c'est les doigts ton problème. Ouais, je pense que j'ai des trop gros doigts. Je pense que le problème vient du personnage. Je pense que c'est plus le téléphone. Là, on arrive à un stade où le problème, c'est pas c'est le bonhomme. C'est le bonhomme. Le problème, c'est le bonhomme. Allez, sixième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la sixième display. On espère encore une quarter, du coup. Veidos. Ouais. Et Veidos aussi, doit être. Bon, ben, je regarderai. Tranquillement. Hâte d'être reposé quand j'aurai... Allez, objectif une quarter. T'es allé tout seul, t'es allé en voiture, en train, en CDF ? En voiture. Et à l'aller et au retour, j'ai emmené un gars de Amiens. Je sais pas son prénom, je connais son maître. Un gars de. D'Amiens, Amiens Ville. Non, non, mais d'accord, mais un gars que tu connais comme ça ou. Ah, que j'avais déjà affronté. Un trio gage, super. Que j'avais affronté à Amiens et tout, il m'avait demandé. Bah, il avait mis un message dans un groupe, s'il y en a qui allaient, s'il restait de la place dans les cars, dans les voitures. Et puis voilà, 2h30 de route, donc tranquille ou pilon. C'est quand même pas mal. J'ai demandé un petit réglage en carte Yu-Gi-Oh! Bien sûr, une petite carte sympathique. Ça va, ça faisait 20 balles en vrai. Payé le payage. Donc c'est cool. Moi j'aime bien régler ou être réglé en carte Yu-Gi-Oh! Quand je suis du covoiturage. Et t'as dormi là-bas? Oui, c'était un Airbnb avec Alan, très bien. Ah, mais t'étais dans leur Airbnb? Juste avec Alan en fait. Alan avait déjà pris un Airbnb. Ouais. Et il a dit, ouais, c'est peut-être quelqu'un d'autre, puis moi je lui suis proposé. Puis, hop. Puis, ah, d'accord, il a pris son Airbnb. Voilà, il y avait, une autre place dans le Airbnb, mais ouais. À la base il avait pris pour lui. Ouais, exact. Ok. Et je sais que Lionel était avec ses collègues, et Arthur était avec Kevin et. Melvin peut-être. Non, c'est Melvin Judge dans le truc des Judges. Oh, il y avait ça. Ah, il serait que les Judges sont. Dans leur hôtel. Ah, c'est qui déjà ? Petite secrète. Ah bah, j'ai eu les deux. Il s'appelle Antoine. Voilà, Antoine. J'ai eu deux secrètes. Nice, nice. À droite. Ah, si c'est le cas, du coup, il reste un booster peut-être, la Starlight, la Quarter. Ouais. On va y arriver. Ce bouton m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ce bouton ? C'est la lumière. Ah, bah. Et tu tournes pour. C'est un, ouais. C'est, tu descends, tu réduis. Bah, alors là, il se passera, parce que vu le nombre de lumières d'allumer, tu vas pas y voir grand-chose. Ça va, j'y vais un tout petit peu. Hop, alors. Donc c'est CDF qui ressemblait beaucoup à un YSS, hein, très très bien, avec tous les side events, tous les annonces. Mieux que l'année dernière. Moi je sais pas, j'ai pas pu faire CDF l'année dernière, mais je sais que j'ai fait YSS Lyon, j'ai fait YSS Dortmund et YSS Utrecht, et ça ressemble beaucoup à des YSS. Sauf que du coup, CDF, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les petites pièces dorées ou argentées. Je sais pas s'il y a au CDE. Ah, les petites pièces. Bonne question. Je suis jamais allé au CDE de toute façon. Ah ouais, jamais. Je sais pas s'ils ont la petite pièce qui va avec. J'avoue que la petite pièce du YCS. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Hein. Je sais que j'en avais acheté une. Ouais, j'en vends deux aussi. Je crois que j'en ai une avant. Train invoqué. Ou... Enfin, je verrai. Après, si tu dis pas de bêtises, ça vaut pas non plus. 30 et 60. Bah, franchement, si tu la vends bien. Ouais. J'en ai vu à 20 balles. Ah ouais? En fait, ça dépend. À 10-20 balles, ça dépend de mon skate dessus. C'est pas possibilité. Et puis en plus, ça dépend s'il est en doré ou en. Ouais, ou en argenté. En argenté. Parce que forcément, un possibilité aura plus de valeur que. Ouais, bah moi j'avais pris. Bah, moi j'ai le dragon blanc et puis le. Crin invoqué, magicienne, je crois. Dragon blanc et magicien, je crois. Non, dragon blanc et dragon noir. Moi j'ai crin invoqué, je crois, et possibilité. Ouais, je vois. Mais. Veidos. Forcément, c'est suivant le monstre que t'as, effectivement, ça. Alors lui le Veidos, par contre. Il tombe. Ah ouais, il est tombé un paquet de fois. Il y aura du support bientôt, je crois, de Veidos. Hein. Je me souviens, une carte avait fait grimper en flèche dans les éditions précédentes. Si j'avais annoncé du support Veidos. Ok. On avait parlé dans le groupe, je sais plus quel c'est. Je sais plus quel Veidos a été grimper en flèche. Carte de Zanzan. Et là, où sont les quarters? C'est toi qui vas ouvrir la deuxième secrète parce que j'arrive au bout là. Déjà ? Ouais. On est rapide, 1h50 de live. Je sais pas ce qu'il c'est que ce monstre chevalier. C'est toi qui m'as dit guerrier. Dandy. Ouais, on peut le laisser. Il reste 3 boosters de mon côté, toi ? 3 aussi.
Vive vraiment en ultra. Monique. Est-ce que ça va faire comme tout à l'heure, la secrète à la fin? C'est pas mal, là, toutes les deux qu'on a eu tout à l'heure où il y avait la secrète. Les deux secrètes étaient toutes les deux à la fin des deux piles. Non, c'est toi qui l'as. Et c'est une. Non. Ah non. Bah, ah bah, c'est bien dans le dernier booster. Ah, c'était un restant. Il m'en reste juste un. Allez, un trône du cauchemar là, au trône de brillant. Oh, hop, voilà, centurion. Centurion. Génial. Aïe aïe aïe. C'est Trocky. Combien de quarters je crois qu'on est à 6. 1. Comme ça. Oui, 2. Juste mêlé à plat comme 4, si tu les posais. 6, 7. 8 quarters quand même. 8 quarters en. 24. En 32 dis... 33 displays. Donc ça va. Les ratios sont. 4 x 8, 8 et 8, 16, ouais, c'est ça, 38, c'est ça. Les ratios sont respectés pour l'instant. On aimerait plus le quarter. Il y a eu une case où on en a eu une de moins, et ouais. Du coup, la case d'après, ça a rattrapé. Donc, c'est ça. Voilà, c'est assez logique finalement. On espère un peu plus. Quoique, non, attends, je raconte, on a toujours pas fait. Hein. 3 cases. Pour l'instant, il reste encore. On a plus. Bah, on verra à la fin de celle-là. On verra à la fin de celle-là. Là c'est la combienième de display? Là c'est la 7 8ème, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là ça va être la 9ème ou 8ème. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais c'est le 8ème. 8ème. Tempai, non t'as pas eu Tempai en fait? Non, 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 non. Les petits Tempai. Tempai Mais du coup pardon, c'est à Trot que j'ai repris le blanc qui me manquait. Trotty Trot, Trot, qui est déjà oublié de lumière. Trotman. Trot. Ouais, joueur de Macron. Trop. Qu'on est allé chez lui une fois. Ah, donc c'est le joueur à Oumar. Ou un chez lui. Non, c'est. Non, c'est. Tu confonds. Je confonds. Mais c'est son pote. Ah bah, jouer du coup. Je vois. Allez. Les... Ah un monstre. Ah. On l'a pas eu encore. On l'a pas eu, mais en secret il a 5, donc en quarter il va être à 10. 10. 10, 15. Ah ouais, ça fait plaisir des quarters différentes. Mais c'est ce que j'ai dit, le but. On va avoir des quarters différentes. Le but est d'avoir les quarters en différents. Et le 2-0-0-1. En plus, c'est le nom du booster. Booster. Par contre, tu vois, ce coup-ci, tu m'as rattrapé, parce que c'est toi qui as eu toutes les quarters. Ouais. Donc, plus que j'ai les. Donc, toutes les secrets du coup. Quarter, réfléchissons pour 25, un peu mieux que Trio Gadget. Je préfère avoir ça que Trio Gadget du coup. Effectivement, effectivement, ça change beaucoup de choses quand même. Trio Gadget de Senna. Ah, il est beau en vrai, Trio Gadget. Il est juste beau, arrête-toi là. Hein. C'est tout. Il est juste. Je connais pas son effet par contre, je le dis. Je vais toutes les lire de toute façon. Il y a les bonnes cartes. Hein. Bah, je vais tout lire, mais je vais tout vendre aussi. Ah, Magicien Silencieux 0. Je crois pas avoir eu de secret pour l'instant, moi. Magnifique. Bah, au final, tu peux pas, t'as dézoomé. Bon, c'est surtout parce que c'est le bordel sur le papier. Oui. Je me suis dit, bien sûr qu'on peut. Bien évidemment. Je vais m'en occuper juste après. T'as toujours pas de secret de ton côté? Bah, moi non, mais t'en as pas eu deux. Non, juste la quarter et la secret. Donc c'est la 9ème quarter. Ah bah non, elle est là. Oh, stylé. Encore une fois, la même. J'adore cette display. Non, c'est bizarre. Et là, Bugged, une troisième secret, une deuxième quarter, ça serait bien. C'est possible, en vrai. Ça s'est déjà arrivé, Enfin, je crois. En tout cas, c'est un règle. Une deuxième quarter, j'ai un doute. Mais, une troisième secret. Ah, ça, apprenti du cauchemar. Tu vois, ça j'ai déjà vu. Ils savent que la quarter est éclatée au sol, du coup, ils mettent une troisième secret. Après, en vrai, attention sur la display d'après. Oui, du coup. Parce qu'en général, si dans une display t'en as trois, dans celle d'après, t'en as qu'une. C'est possible, ouais. En plus, c'est bien dernier booster, donc bien bugué. Donc bien à la fin, quoi. Voilà. C'est bien celle que... Ou alors, la prochaine display aura deux quarters. C'est clairement possible. Ça serait dans une display qu'on a deux quarters, c'est incroyable. Ça serait bien, genre, deux trio gadgets en mode, ils se suivent d'affilée. J'avoue. Ça me ferait rire en soi. Ça me ferait incroyablement rire. Allez. Droite. Gauche. Merci bien. De rien bien. Et c'est reparti hein, pour... C'est vrai qu'on nous met le retour des petites mouches qui arrivent. C'est ça. Ah, c'est kiffé beau. Bah oui, c'est bien. C'est la vie. C'est la vie. Là. Toujours pas de. Putain, mais attends, mais on a toujours pas eu une seule. Sarcophage brillant, je crois.
Non. Putain, c'est un short film de c'est mort. C'est un sacré short film. Ah là, du coup, là, en plusieurs fois en quarter. Ah, j'avoue qu'il est là en quarter, oui. Ça serait stylé. Oh, le booster avec les bords impactés, là. Bye. Let's go. Oh, le Tempaï, Non. C'est qu'en vrai, le Tempaï, il te rembourse pas, mais... La moitié. Un cinquième. Bah, il fait quand même le travail, quoi. Bah, en vrai, ouais, un cinquième, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est Tempaï. Oh, Centurion, j'adore. Chacun son tour. J'adore Centurion, Auxilia. Chacun son tour, on prend le Centurion. Surtout que, tu te rappelles ce qu'on vient de dire juste avant, vu qu'il y a eu la display buggée. Attends, j'ai pas vu là. Tu penses qu'il y a une seule secrète et rien d'autre? Je pense qu'il y a qu'une seule secrète. Tu penses? Ça va. Tu peux dire ça. On va mettre au moins une quarter, genre. Mais surtout que, vu la tête de la secrète, ça ferait mal quand même. Les bords, pareil, il a des bords arrachés. Non, il y a deux secrètes. Stylé. Elle, j'ai toujours pas regardé son prix. Elle fait quoi d'ailleurs? Les monstres insectants et la fille de terrain gagnent. Ça te bloque aussi, je pense, celle-là. Ajoutez un monstre Ragnarok, vous comprendrez que t'as un qui défonce une carte. Invoquez ça un de vos monstres Ragnarok dans votre main au cimetière, bannissez 5 positions, que tu te montres, tu pas. Qu'une fois par tour. Non, c'est bien, ça va, tu le fais pas. Ça va, c'est une bonne carte pour Ragnarok. Il est DE058. Regardez, il y en a pas mal de ça aussi. Ah bah oui, il y en a pas mal qui sont tombés. Floraison. 10-11. Enfin 10 après 11, donc ça va être. Je vais mettre le playset, je le mettrai à 12, voilà. Moi sur Card Market, je mettrai des playsets, mais pas hyper cher. Je suis pas un vendeur professionnel, hein. Je suis un particulier, donc je mettrai mes playsets à. Si par exemple le premier prix c'est 10-11, je mettrai mon playset à 13 par exemple. Comme ça, on pourrait acheter directement le playset, pas trop cher. Voilà. C'est honnête en vrai, c'est honnête. Plutôt. Après, j'en mettrai aussi sur Vinted aussi, parce que comme que je me rembourse certains displays qui. Quand je vois des displays avec Centurion ou Gadget. Des displays qui piquent, tu veux dire? Oui. Des displays à 20 balles. Des displays qui font mal, on va pas se mentir. Ouais. Bah, sur Vinted, c'est surtout des gros lots de communes. Là, parce que... C'est pareil, ça va pas être bien cher pour que ça soit accessible à tous quand même. Et que ça fasse plaisir surtout. Parce que quand t'achètes des gros lots comme ça, tu payes moins de frais de port. Oui. Et t'as toutes les communes que j'ai mis de toutes fois 3. Il y a des super aussi sur là, les super, il y a un paquet. Bénédiction, ça s'envoie, hop. Merci. Hop. Allez, c'est reparti, quelle heure est-il? 1h58, ça va. 16h36, plus qu'une heure alors. Ouais. Ouais, ça va, on arrive à la fin. Ah ouais, ça va, je trouve une cavale quand même. Ça va, allez, puis ultra, pour commencer. Ça fait plaisir, ça fait zizir, ça fait plaisir. Tu as fait tomber une carte, comme une. Et fierté d'or. On adore fierté d'or. T'imagines, il les aurait mis en secrète. Oh non, mais le slot, le slot de bouffée gratos pour rien. Alors, le fait qu'ils mettent vraiment de la révélation en secrète, ça aurait été magnifique. Oh, le booster, tu sens le booster là. Oh, apprenti du cauchemar. Bien vu. Là, des fois, la qualité du. Non, c'est quoi? La qualité du. Du plastique, des fois. C'est incroyable. Tu sens que ça peut être des bonnes cartes là. Là, je le sens, là, c'était dur. Oh! Oh! On l'a déjà eu. Ah non! C'est la première double. Ah non, la première double. C'est la première double. Ah, c'est comme ça, ça arrive. Hein. Lien qui lien. Est-ce qu'elle est bien cette carte? Et c'est même pas. Je crois que c'est. Sarcophage le... brillant en soi. Donc, c'est pour les sarcophages brillants. C'est même pas la meilleure. Et le 2053. C'est. Fait partie des sarcophages brillants. Donc, en soi, ça peut voir. J'ai dit combien les deux? 53. Et c'est la dixième, je crois, hein, c'est ça? Ouais. 10 en 36 cases, du coup? Non. 36 cases, non. 36. Non, 36 displays. 36 displays. Eh, ça fait 1 toutes les 3. Hein. Toutes les 3,6. Hein. Et on n'a pas encore ouvert. Ah, Tempaï. Est-ce que c'est une display buggée? Attends, combien tu as dit? 0,53. 53. Parce que j'imagine que c'est une ultra. Je crois que c'est une ultra de base. Hein. Donc une ultra de base, c'est 50 centimes. Donc t'imagines bien qu'en quarter, ça va être. 30 euros en quarter. Eh, hey, j'ai été mes 10 ans. Bien qu'il y ait 30 balles, allez, la moitié du display. J'avoue. J'ai été. Et Balenciaga. Je pense que c'est un deck que tu peux jouer en mode foot bing bing quand même, parce que. Ah bah, oui, c'est trop bien. Hop. Et qu'est-ce que je disais? Oui, il nous reste encore après. Deux displays, je crois, encore avant. Pour avoir le troisième. Pour le troisième. Le troisième. Il sera super, un centurion en secret.
Bah, j'ai les, t'as eu les deux secrets et je crois que c'est apprenti. Apprenti et son tueur. T'as eu la, ouais, la quarta. Qu'est-ce que je disais? Oui, les ratios sont respectés. À côté. Oh, encore un tour silencieux avec le Miss Cat. Miss Print. Ah oui. J'ai aussi un tour, mais pas le. Ah, c'est fou ça. Pas le Miss. C'est que le U. Alors, si je me rapproche comme ça. Non, faut juste l'incliner, là, simplement. Le U de tour silencieux en haut. Incroyable. Il y a... J'en parlerai à... au head judge qui collectionne tout ça. Voir ce qu'il en pense, si ça vaut quelque chose pour lui, peut-être. Moi je dirais 2€, 2€. Au lieu de 2 centimes. On verra. Mais deux miscats, tu es content que je sais pas si t'as le droit de les jouer, les miscats. Si, si. Du moment que le... Il me semble que si, tant que le titre et le texte sont lisibles, il me semble. A confirmer par Melvin slash. Qui d'autre qui est calé en texte policier. Bah Amandine. Et c'est possible que l'image soit décalée par rapport au texte. Ouais. Alors imprimé, oui. L'image carrément comme ça. Oh, ouais. T'es genre, le tout est bon, juste l'image, bah chou. Je crois que c'est déjà arrivé ça, ouais, dans la M4, il me semble bien. Alors, ce serait vraiment ah oui, c'est Kevin que je cherchais, Kevin Belly. Bellissime. Alors, ce serait une dinguerie. Alors encore deux pour la case. Après, je les prends un peu au pif, donc c'est possible que dans d'autres. Ah oui, oui, on est. Oui. Genre, une partie, vu qu'on les a posés un peu n'importe comment, c'est vrai que j'avoue. Même, de toute façon, on les a achetés comme ça. Au pif, ouais. Avec gauche-droite. Hein. Salut Raiden, j'espère que tu vas bien, Coco. Comme tu peux voir, grosse dinguerie aujourd'hui. Quelques. 10 quarters pour l'instant. Ouais, 10 quarters pour l'instant. 34 displays pour l'instant. C'est ça. Trio Gadget, allez, un slot d'ultra à 90 centimes, on aime ça. Secrète. Hop les. Super Ragnarok. Ouais, j'avais vu l'autre fois, je me suis inspiré de toi, j'ai vu que t'avais fait une petite ouverture avec pas mal de displays. Je me suis dit, ça y est, on va faire une big ouverture. Pas du tout. C'est pas vrai, ce ne sont clairement pas mes cartes. je n'ai pas le PIB du Yémen actuellement sur mon compte. tu chercheras quelques cartes quand même, non? Tu cherches quoi déjà dans cette display? Les trônes? Non, je pense que tu cherches. Ouais. Les gadgets, les. Les gadgets. Ouais. Les gadgets. C'est que le début de dinguerie. Tu veux très loin. Bah après il nous reste quoi? Il nous reste 40 minutes de live parce que après tu dois. Ouais, après c'est moi qui dois partir. Tu dois avoir l'IRL qui reprend. Moins que 40. Moins de 40 minutes. Ah oui. Tu me dégages à 15, on dit on peut me dégager. Ouais, c'est ça, le temps qu'on sort tout et compagnie. Oh, les liens qui lient, ça fait que Tempai. Ah, un Tempai qui rattrape la display, ça va. C'est que le début des dingueries. Bah ça va même pas ouvert la moitié. Ouais, je te dis, hein. Bah non, ce week-end, t'as dit que t'étais pas là. Non, mais on a dit en milieu de semaine. Ah oui, ouais. Bah genre mardi c'est bien. Non, mardi, j'ai entraînement. Bah lundi, c'est bien. Lundi, ça peut être pas mal. Je crois que je bosse pas lundi. Je bosse vendredi, samedi, dimanche. Oh, floraison. Stylé. Attends, on a eu deux fois la même là, hein? Non, t'as. Ah non, j'ai eu celle d'à côté, moi. Après, elle tombe tout le temps toutes les deux. T'as deux ou trois. Ah oui, j'allais dire, attends, c'est dingue, par contre. Je suis planté, hein. Ça aurait été littéralement une dinguerie. C'est tout, du coup. C'est déjà pas mal. Un Tempai, deux petits trucs, c'est pas. Et la. Quarter. Ah oui, la quarter, rien qu'il y a. Donc les deux animaux, la quarter. Ça va. Y'a pire, y'a pire. Y'a pire, mais c'est beaucoup mieux aussi. Ouais. J'avoue que. Il y a pas mal de cartes qu'on n'a pas eu. Enfin. Les sarcophages, les sarcophages en secret, on ne les a pas. Hein. Vraiment, on en a ouvert que un. Du coup, au final. Un quarter. Non, pas en quarter. Un secret et un quarter. Un secret et un quarter. Si, on a un quarter. Si. Un secret. Je crois qu'on est que le quarter. Non, un secret et un quarter. Non, un secret. Ouais. Non, je suis quasi sûr qu'il y en a un secret et un quarter. Allez, dernière case. Dernière disque d'une case. Je suis pas sûr. Non, non. Ah, peut-être une, ouais. Ah oui. Un secret et une en quarter. Qu'est-ce qu'ils disent? Team Chocapic. J'ai vu pas mal d'ailleurs, Raiden, le petit post que vous avez mis là avec, avec les météores. Oh, m'en parler. Ah bah il est voilà, beau, le sarcophage enfin. Et du coup, c'est celui-là que tu veux? Ouais, celui-là, il me le faut, x3. Enfin, tu veux une quarter? Allez, allez, allez. Une petite réduction, hein. Ah ouais, bah c'est une grosse réduction même, parce que là, il y a trop cher. Trop cher. Non, par contre, le gadget en quarter, je le prends, ça c'est sûr. 12. Ah, il y a 12 balles, oui. 12, ouais. Bah, le temps que tu refasses un peu de flouze, c'est ça? C'est ça. Allez, allez. Ah, je vais gagner 10. Bah, d'ici
signe quoi, tu redescends, tu mets dans deux semaines. Bah, la semaine prochaine, non, la semaine prochaine. Bah, genre mardi ou mercredi. Non, mercredi peut-être. Je verrai. Ah, encore ? Oui, tu me tiens au jeu. Encore le tour silencieux en Miss 4, bizarre. Ouais. C'est le troisième c'est déjà. C'est bizarre quand même, par contre. Que... C'est que le tour silencieux. Alors, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, est-ce que c'est propre à cette carte ? Bah, j'ai l'impression. Tant mieux, moi j'aime bien. C'est-à-dire qu'elle est pas extrêmement rare comme Miss 4, Miss 5. Non, mais c'est plutôt sympa dans. J'en parlerai au mec. Collectionneur, le Hedgehog. Ça c'est fou ça, est-ce que c'est moi qui ouvre mal ou... Est-ce que, c'est vrai que depuis tout à l'heure, les cartes un peu... Légèrement abîmées mais non. La diabelle. Tac. Avec une demi-heure de live, après, je m'en vais. On va faire une partie 2 en remote, c'est ça? Lundi. Bah non, si tu redescends. Bah non, parce que vu que je redescends en train, je pourrais pas tout stocker. Ah, et pourquoi tu laisses pas chez ta mère les displays là, display. Non, parce qu'il faut que je les remonte pour pouvoir les trier chez moi. Non, les displays vides, les displays pleines, pardon, pourquoi tu les laisses pas là? Parce après j'aimerais bien les remonter. Pour les trier. Ça sera forcément du remote. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Apprenti du cauchemar. Bien vu. Et du coup, ça c'est la dernière case, voilà. Donc s'il y a une quarter c'est bien, s'il n'y en a pas, tant pis. Bah on a déjà une. Ah non, oui, non, oui, pardon. Une autre quarter. Oui, une autre quarter, tu voulais dire. Tac. Allez. En vrai, je trouve qu'on commence à prendre le pli quand même. On range au fur et à mesure, on commence à... Ouais, en 3 cases, donc 12, donc ça fait 26, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc ça fait une toutes les 3,6. 12, ça fait 26, toi. 12, 36 j'ai dit. Ouais, non t'as dit 26. Moi j'ai 36 je crois. Donc, en 36 displays, 12, non 11, 10, j'ai 10 portées. Ouais. Dont une double, en vrai ça va. Ça va, c'est, en vrai ça reste peu propre. C'est une toutes les 3,6, donc c'est honnête. Et un seul Sarco. Deux Sarco. Deux Sarco et un Deux Sarco et un quarter. C'est pas mal. J'avoue. Trier, mettre dans Excel ça va être long, mais ça va être bon. Alors, allez, il reste quoi? Il reste allez, une demi-heure. En une demi-heure, on a le temps d'en faire peut-être 6. Moi, je pense qu'on a le temps de refaire une case en vrai. En une demi-heure. Ah, si on s'active, si on est chaud. Chaud patate. Il y a moyen qu'on arrive à. Allez, à faire une dinguerie. Hop. Ouais, au pire. Ouais. On était d'être Rapidos. Et Rapidos ou Erasmus? Comment se passe ça? Non, c'est Erasmus et Rapido. Oui, non, mais je. C'était bien, ça fait plaisir. C'était Eric et Ramsey d'ailleurs, je me souviens, qui ont sorti une vidéo exclusive, incroyable. Devine ce qu'il y a derrière la porte, je pense que c'est ouais. Excellent. C'était marrant. Il n'y a jamais eu autant de placements de produits, 4 placements. Ah, j'avoue, 4 placements en une. Mais ils étaient bien faits. Hein. J'avoue. Le bol de là. Les cheveux. T'as fait tomber une carte, une commune. Enfin, une commune. Une carte parmi 24 000. 26 000. Ouais, bon. Attends. Oh, il est Miss 4, Miss Sprint ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai cru qu'il était Miss... J'ai cru. T'as cru en bas ? Ouais. J'ai cru en bas. Pas de chance. Ça, je suis pas mince. Il y a un problème. Super... Oh, bon ça. Je me suis dit, il y a un problème. 24 000. Oh, de près, putain. Passer du temps à trier. Oh, génial, la secret. Allez. Ah, en même temps, bah c'est bien. 5 et 2,50, ça fait 7,50. Même pas le pic de booster. Oh bordel. Ah du coup il y a moyen qu'il y ait une ah je vais y arriver. Ouais, une quarter. Une quarter qui tombe. Ouais. Pour rembourser le. Et là c'est très nul. Là c'est trio gadget. Pour rembourser le booster nul, bon allez. Si c'est trio gadget quand je. C'est la vanne du jour. Après les ultras sont bien, un dragonnet. Double dragonnet. Oh putain, c'est à peine bugué. Est-ce que pour toi le dragonnet vaut les sous? Ouais, il vaut quelque chose hein, le 2,23€ je crois il vaut quelque chose. Hein. Senpai! J'ai un gros doute quand même. Bah, dans mes souvenirs, il vaut 5 balles. Peut-être. En tout cas, pour moi, il vaut plus que ça. Ah, ouais, 5 balles, ouais, peut-être. En vrai, 5 balles, peut-être. Mais je pensais pas qu'elle valait genre plus que ça, tu vois. Bah, elle vaut. Pardon, elle vaut 10 balles. Ah, oui. Elle vaut tant que Senpai, donc ça fait plaisir. Elle vaut 5 centurions. Elle vaut 4 centurions secrètes. Ah, ça fait plaisir, petit dragonnet. Ça fait plaisir de pas ouvrir des secrètes. Ah, il manque quoi? Il manque une ultra ou une super? Ouais, une super. Une super. Aïe.
les mecs ils vont se forcer à ne pas ouvrir de secrète, parce qu'il y a trop de chances que ce soit de la merde. Ces deux-là veulent même pas le dragon. C'est ça. Genre, c'est là où tu te dis, attends, mais il y a réellement un problème. Quand même. Ouais, c'est pour ça, moi, des fois, je me souviens, par exemple, Mutamorphosis. Je sais pas si c'est l'édition. Elle vaut 3€, mais moi, pour moi, elle est sous-cotée, cette carte. Du coup, j'en ai acheté quelques-unes. Je m'en étais coffré 3 aussi. Là, elle est à, parce qu'elle était à 2€ quand je les ai achetées. Genre, elle valait strictement rien. Là, elle est à 3-3,50, mais pour moi, elle vaut beaucoup plus. Simplement. Tant qu'elle est pas jouée, en fait, il suffit qu'il y ait un mec qui joue ça lors d'un event et puis qu'il arrive. Samir Bachar qui joue Kyokara, voilà. Kyokara qui a du mal à redescendre d'ailleurs. Le prix flex. Hein. Toujours à 40 en multi, je crois. Donc 30 en secret. Hein. Il me semble. C'est vraiment une dingue. Futur silencieux, génial, on adore ouvrir une carte qui vaut un prix de booster. Après, elle a peut-être augmenté, je ne sais pas. Hein. Où sont les sarcophages brillants, pitié. Diablistar, ça Le sarcophage j'étais pas si cher que ça. Hein. Ouais, il était à 20, non moi, il me semble qu'il a 10 balles. En fait, y'a pas beaucoup de secrets qui coûtent. Il me semble. Il est cher en quarter, ouais. Mais oui, pas il en. Il y a 40 ou 50 en quarter. C'est fort probable. Aïe, c'est encore bien défoncé là. Ouais, c'est ouf, toi, par contre, t'as des cartes. Communes, je vais faire un lot de communes défoncées. Ça va être... Le mec vend l'eau de commune défoncée. Mmh. Vend l'eau de commune en mousse. Aïe, étoile. La musique, tout. Ce sont les quarters, on a pas eu que je suis ma descente. C'est vrai que les doigts ça commence à. les pouces là, les. Ah. Ouais, c'est le dos, putain, j'ai le dos qui arrive. Oui, je me redresse un peu, mais c'est pas facile. Tempai les secrètes, par contre, on en parle ou. J'en ai pas eu, moi. T'as pas un problème ? J'ai dit, on va en parler, puis ça va tomber, mais. Non. Les cendres, elles sont belles, les entourages. Attends, ce que c'est pas. Deux. C'est le dernier de mien. Ça sonne à un quarter peut-être. Fait qu'en vrai, à chaque fois on balise et en fait, à chaque fois ça tombe quand même sur le. Non. Ah, putain, j'ai cru. Toi, tu l'as peut-être ? Oui. Ah, oh. Tu sais, à chaque fois, je me dis, attends, c'est chaud parce que j'en ai pas eu. Et à chaque fois, je me dis, bon. En vrai, par contre, je serais presque. Ah non, ouais, non, parce que t'as mis les piles là, j'ai dit, on pourrait aller presque aller chercher les. Oh ! Ah, bah voilà, c'est pas. Ah, donc c'est une troisième alors. Parce que moi, je vais vous faire ça. 2, 5, oui, il y en a une troisième. Ah oui, il y en a une troisième. Donc, futur silencieux, floraison et genre de. Je sais pas quoi. Gondor. Oui, bah en même temps, 5, 10, 5 et 10, oui. Ouais, après, c'est des bonnes cartes, hein, cartes. C'est clair. Ça reste des donc, deuxième display bugué de 3 secrets. Voilà. On va sortir. 3 secrets. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez. On peut ouvrir la moitié, mais ça sera pas trop bien. Ah, je t'ai dit, il y a moyen en vrai. Merci. Il nous reste 18 minutes. Non, 8 plus 15, 22 minutes, 23 minutes. 23 minutes pour réussir à faire le clutch. Et alors, en 23 minutes, allez, deux quarters peut-être. Deux ou trois. Metal truc. Je sais qu'il y a des super qui cotent, je crois, ou qui vont coter en tout cas. Il y a des super qui sont tous cotés. Ah, floraison. Ça va. Ah bah, en même temps. Ah bah, futur silencieux. Oh là là. J'ai réussi à obtenir un booster. Tempai. Tempai, il y en a un blanc. Ça fait plaisir, les petits Tempai, j'aime bien. Mais moi, je pense qu'il remontera avec la sortie des. Du support, tu veux dire. Ouais, je pense, ouais. Bah, le support est fort. Hein. Ah, enfin, le support est fort, oui. C'est un qui se spé gratuitement et qui dit qu'il est sympa. Et l'autre, c'est la piège qui dit que ça passe la battle. La main. Ça skip la main, pardon. Et je crois que bah, le mec à Fontaine Soil, il m'a dit qu'il était. Ils ont peut-être pas le mettre x3 le nouveau Tempai. Non. Parce qu'il se prend H ou quelque chose. Donc ouais. Ça serait au cimetière, je crois. Donc il est pas protégé par le terrain. Pour moi, il faut le mettre. J'ai regardé déjà, moi je le mettrais que x1. Tu veux dire que tout ça, tout ce qui nous reste là, il reste que juste des ultras. Ah oui.
On avait refait de la suite. Après, gros, il y a un moment donné. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bot? Nouveau. Non, c'est une nouvelle personne qui a rejoint le live. Oui, mais. Non, mais ça, j'ai une personne qui est dans le chat pour la première fois. Best viewer, ouais, c'est une pub. Machin. Donc, c'est une pub. Ah, bravo, ça. Bravo, félicitations. Faut bloquer, faut le ban ça, regarde-moi ça, regarde. Ouais, mais c'est trop. Si, c'est la souris là. Et si je fais ça, l'action de modération, ça doit être ça. Ouais. Ça marche pas. Regarde. Je sais pas faire. Non, ça aurait lancé, juste que. Ça doit être. Ouais, c'est bizarre. Ça sert à rien. Ravissement du sang, ouais. Mystère et boule de gomme. Pardon. Peut-être qu'il a été ban automatiquement. Tiens, je vais regarder sur mon live. Bon, après, déjà, c'est l'Astego. L'Astego. Et tu partages avec quelqu'un d'autre, non, l'Astego? Avec Lionel, non, je crois. Lionel. C'est qui a créé la chaîne alors? Nous deux. Ah ouais? Vous avez les accès tous les deux? Ouais. À la base, on devait faire plus de vidéos que ça. Faut pas te mentir, c'est aussi un peu de ma faute, on va pas se mentir. Vidéo ou stream? Le stream. Stream. Bon, les deux. Ouais, les deux, hein, en soi. Mais le temps, hein. Et oui, il y a que 24 heures dans une journée. C'est ça, il y a que 24 heures dans une journée. On ne peut pas tout faire, malheureusement. C'est ça. On ne peut pas ouvrir des boîtes et aller faire des streams. Ouais, quoi que ce soit. Cette carte est rigolote aussi, dans les pas de papa. J'ai trouvé pas mal. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors non, en soi, elle est nulle, hein. Mais juste, le nom de la carte est rigolo. Je crois que c'est une carte qui se joue aussi avec les qui bannit. Ils auraient pu dire dans les pas de patron. Mais ça bannit ici passe verso 5, max 5 cartes depuis. Ah ouais. Non, elle est pas mal. Ok. Hop là. Ça me fait mal, ça, par contre. Quand je vois ça comme ça. Quand tu vois quoi? Les deux comme ça, là. Les deux quarters identiques. C'est vrai. Vraiment les deux qu'on a ouvert coup sur coup. Les deux identiques, coup sur coup. Pas de chance. Allez, on espère une nouvelle quarter. J'aurais bien une idée blesse. Non, elle a déjà une idée blesse. Non, la magicienne. Ouais. Ah oui. Si elle coûte, je suppose que si elle coûte cher en secret, ouais. En secret, c'était qu'elle doit coûter cher aussi en. C'est possible, ouais. Possible. Par contre, celle qu'on n'a pas eu depuis longtemps. C'est sarcophage. Non. Celle qu'on n'a pas eu tout court, c'est sarcophage. Non, celle qu'on n'avait plus depuis longtemps, c'est le. Le siège, le. Trône. Ah oui, c'est vrai qu'au début, on l'a eu beaucoup de fois. Puis on l'a vraiment eu beaucoup au début. Mmh. Là maintenant, bah, il se fait désirer. Ouais, c'est trop une cochon. Ah, j'ai un balance pareil. Oh, en quarter. En quarter, j'avoue que ça doit être une barre. Parce que je pense que le prix doit aller avec. Hein. Peut-être. À voir si on l'a quand même. Echo. On va réussir à en sortir quand même, je pense. Toujours rien pour l'instant. Une ultra ou deux, vraiment. Après, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, vu qu'on a mélangé. Oui, toutes les displays. Bah, en soi, Veilros, le dernier, à la fin de temps, et la Diabelle, la protection des machins originels. Et du coup, dans tous les boussoles, il va rester deux ultras dans max. Ouais. Ouais. Et on espère une quarter, peut-être. Ou du Tempai, hein. Moi j'aime bien Tempai, ou du Dragonnet à 10 balles, là, ça me mord. Ouais, ou encore le trône, comme on disait. Ouf. Ou quarter, display bugué. Notre secret. Secret. C'est pas d'assin. Ah, 90 centimes. Ou un gadget. Oh, 90 centimes aussi, incroyable. Hop. Oh, Dragonnet. Oh! Eh, mais pourquoi c'est pour ça que je l'ai mis? Je me suis dit, il va peut-être y voir quand même! Oh putain! Oh, McDonald's! Non, bientôt manger les biscuits. Ah! Elle est belle, Dragonnet. Je me suis dit, il va peut-être y voir quand même! Putain, qu'elle est belle. Dragonnet du Seigneur Lumière en quarter. Je dois y aller, bonne soirée. A plus, Dodo. Allez, ciao, Dodo. Merci, Dodo. D'être Dodo passé. La saumure. Non, c'est pas bon. Et le DE 020 par bâtard, j'étais dessus. Roulement de tambour pour cette magnifique quarter. Et il m'a fait pas un booster. Alors? Bah j'ai dit roulement de tambour, il veut pas s'afficher. Ah oui, d'accord. 94. Ça fait plaisir. Ça fait clairement zizir. Zizir, plaisir, voilà. Je reprends la main sur les quarters, finalement. Oui. Ça ah, y bien, est. Je veux bien. Ça y est. Je veux bien, y'a pas de problème. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, c'est toi qui couvres tout. Tu y arrives à un stade. Magnifique, ce dragonnet, magnifique. Donc, il y a toutes les ultras et toutes les secrets en quarter possible, là. Tu crois? C'est incroyable, ça. Bah, je ça serait incroyable. Vraiment incroyable. En plus, on l'avait pas eu, hein, celle-là. Non, c'est magnifique. Hein. En fait, c'est le côté vert-jaune là qui ressort, c'est très clair. Très joli. Bah tiens, on compare avec une ultra si tu veux, c'est magnifique. Mais ouais, c'est très à vendre, ça fait mal au cœur, mais il faut que je vende quand même.
Bah, faut rembourser là, ouais. L'investissement. C'est surtout au début, je vais faire des gros lots à base de 10-15 euros, de 300 communes, 15 super, des trucs comme ça, 10 balles. Ça va être rentable, hein, je pense, pour les gens. Ça aurait vite d'acheter sur scène. X3 ou quoi, ouais. J'avoue que là-dessus, oui, je pense que c'est rentable, effectivement. Ah bah. Ouais. Moi, perso, vu que je prends tout en play 7, j'avoue que je trouve ça assez rentable. Hop, hop, hop. Hop. Code de l'âme. Non, merde. On va y arriver, on va y arriver. Bah non, mais je les ouvre mal là. Est-ce que depuis des années, j'ai l'impression, je me suis dit, la qualité des plastiques, des plastiques. De pire en pire. Non, reste la même. Reste la même, je pense. Bah écoute, moi qui ai ouvert du Pokémon, bah je vais te dire que. Ah bah c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même imprimerie, je crois, pas même plastique. Bah le plastique est bien mieux quand même. Ah, sur Pokémon. Je vois. Est-ce que j'ai open un jeans au speed? Merci Arthur, merci de relancer s'il te plaît. Alors moi Arthur, c'est merci. Moi j'étais en train de diminuer en pression, j'avoue que merci à toi d'être venu. Alors moi du coup lors de ce CDF à CDF à Caen, par des expos à Caen, j'ai pas regardé l'heure, j'ai fait signer par le banquier un magnifique Herman en commune. Herman. Pour Quentin avec son dédicace avec un cœur. Oh oh. Ah, le deuxième gadget. Deux fois 12 euros, pas cher. Écoute, je suis assez heureux parce que je vais pouvoir jouer mes trois gadgets. Enfin, deux de mes trois gadgets en quarter. Ah. Hein, écoute. Bientôt le playset, bah oui. À bientôt le playset, putain. Oh, ça fait chier. Mais bon, ça fait plaisir dans une quarter. Mais... J'avoue que, en vrai, ça fait plaisir d'avoir une quarter. Putain. Mais quand t'as le dragonné qui sort juste avant. Ouais, ouais, bah ça fait. Du coup, ça fait une moyenne à 50. Enfin, à 60. Ah, ouais, ça va. Ouais, c'est une moyenne à 50, c'est ça. Ouais, enfin, je vais pas les brader non plus. Hein. Enfin, on verra, on discutera tous les deux après. Donc, évidemment. Ah, quand l'autre il va. Quand je vais lui dire ça. Bah, Veidos. Ah, si, c'est bien. Bonne secret. Enfin, c'est pas Veidos, c'est Varudas, le dernier apporteur de la fin des temps. Quand il va dire, tu vois, je t'avais dit. Bah, après, deux ça, trois ça me ferait. Trois ça ferait beaucoup quand même, on va pas se mentir. Mais vu qu'il y a Elon Quarter, il y a des bonnes secrètes, il y a Vodrus et des bonnes ultras. Lui, voilà, tac. Bien vu. Et Force numéro 1. Ouais, en vrai, il y a eu des bonnes secrètes et des bonnes ultras. Et peut-être la Quarter. Non. Oh, Dragonnet. Et Dragonnet qui vaut le même prix quasiment que Trio. Que le Trio. C'est beau. Je peux le dire. C'est beau, je suis pas sûr, mais ça le mérite. Il y a plus de 14 minutes avant que tu me fasses dégager. C'est ça. On n'aura même pas fini le banc, je suis presque déçu. Putain, ouais. Il y avait beaucoup sur le banc. Ouais, j'avoue que j'avais peut-être un peu chargé le banc. Allez, au moins 3 là, ça serait. Allez, bien. Vas-y. On en fait une 5-10 minutes. Ça finit la dernière case. Non, du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ferait 9. Aïe. Vas-y, gauche. Hello, allo pote, al poto. A deux, ouais. Al poto. Salut Alan. Ah, c'est Alan. Alan. Alan qui va être content. Tu cherchais quoi déjà, Alan? Tu cherchais des. Attends. Je peux aussi chercher Alan. Non. Non, c'est pas. Il cherche pas, j'ai quoi? Non, mais c'était. Une dernière. Ah oui, le terrain Yubel en quarter, mais oui. Ah, le trône. Mais on l'a pas eu. On a eu des trônes. Ouais. Alors, déjà, ça fait un moment qu'on l'a pas eu d'ailleurs. Déjà, ouais. Mais non, pas en quarter. Il y a eu des dingueries en quarter, en vrai. Il y a eu des belles cartes. Des belles et des. Pas de grosses raretés. Mais... Enfin, pas de grosses cartes, pardon. Mais. C'est un peu brillant, quand même. J'avoue. Ah, une bonne secrète qu'on adore, oui. Ah oui, il y a eu de la centurion. Alors, franchement, je suis curieux de voir ce tableau XL. Parce que le centurion en secrète, mais on en a ouvert, mais une quantité. C'est comme ta petite carte là. Celle-là, la petite. Hop, voilà. Ça fait 10 balles. Non, mais la vidéo, non, mais laisse tomber la quantité quoi. Enfin, c'est. Oh! Une dinguerie. Ah non, ça finira. Ça finira. Ah, ça finira. Une quantité coup, on est à 2h20. 2h20, ça va. Pas 2h20, quasiment la moitié, en vrai, ça va. Au prochain tour. Le verre, combien de display? Trop. 36, ouais, 7. Au moins 40. Ouais, 41. Ouais, bientôt 50 displays. Hein. Ça serait bien.
Et on va bientôt s'arrêter, malheureusement, car la vie IRL te rattrape. C'est ça. Non, mais vous vous rendez pas compte, en vrai, c'est... comment c'est long. Je pense que même toi, tu payeras, même toi, tu vas y réfléchir à deux fois avant de refaire ce genre de dinguerie. Parce que à ouvrir, c'est super en vrai. Ça fait mal c'est toi aussi. En vrai, c'est marrant, c'est cool. Bah, c'est cool. Mais qu'est-ce que c'est long. Bon, la prochaine fois. Attends, t'as ouvert ta deuxième secret, toi? Bah, j'en ai ouvert qu'une, moi. Bah, j'ai ouvert celle-là. Oui, moi j'ai ouvert la Centurion. Ah oui, vive la Centurion. C'est génial, les Centurions. Ah oui, le rush de zinzin. Ah ouais, non, mais là, je vais pas te mentir. Déjà que j'ai passé 5 minutes à déceler c'est... les plastiques des displays. C'est ça, non, mais c'est un rush de fou malade. Là, on est en train de d'aller à fond. Là. C'est... Je suis au taquet. Là. On fait au moins la moitié avant que je parte. Avant que c'est ça. Le but était d'essayer d'arriver à la moitié. Je pense pas que ça prendra le temps de faire. Je pense pas non plus qu'on va faire. 2h30, je les ai pas vu passer, j'avoue. Il manque le paquet de communes, il est là. Non, il est là. Ouais, j'ai dit, je t'ai filé, c'est pas du tout. On va y arriver, on va y arriver. Tiens, ton paquet de gauche. Allez, oh, mais t'avais déjà préparé, c'est ouais. Beau. C'est... Et on a arrêté de compter qui fait gauche-droite. Ça... À peine un tiers des displays. Non, un peu plus quand même. Si, tu fais. Non, 112. 114 divisé par 2, ça fait. Ah oui, 114, pardon. Ça fait. 57. 57, on en a ouvert. Et bon. 42, on a 42. Plus qu'un tiers. Oui, plus qu'un tiers, oui. Oui, c'est ça. On a bientôt fait la moitié. Par contre, oui, effectivement. Ah, on n'a pas fait la moitié. Je confirme ces dires. Les mathématiques sont intransigeantes. Secrète. 5 balles. Ah, je suis médisant, elle vaut peut-être plus. Secrète. Elle est 2,054. Ouais. Le secret. Elle est 2,054. Je crois que c'est ça. Non, mais par contre, ouais, j'avoue que. J'avoue que niveau rapidité on peut pas faire mieux et puis niveau niveau place et tout Il reste quoi open encore 4 ou 5 gadgets. Je pense qu'il y en a un à côté là il. Je rigole jaune les gadgets ouais. Il est pas tout à fait d'accord avec vous mais. Ah oh putain 4 euros. 4€. On est passé de 5€ à 4€ ouais, monsieur. Après, bon, on a perdu 20% du prix que la carte. Le premier x3, tu vois, le premier x3, il est à 7,80€. Moi, sur CM, je le mettrais à 6€, peut-être, le premier x3. C'est moi qui ai eu les deux secrètes. C'est qui? C'est ça, ok. Par contre, les Ragnarika, en vrai, on en a eu un wagon, hein, je trouve. Ah, les Ragnarika, ouais. J'attends que Jesse top avec, et... Bah, franchement, ouais. Ah, Tempai! Eh, faut fêter, ça, Tempai, ça vaut 3 fois ça. Ah, c'est... Je sais pas ce qui me fait... Je sais pas si je dois rire ou pleurer, quand même, parce que... C'est triste quand même de se dire ah ça. Oui, c'est triste, oui, putain, oui, c'est triste. Un Tenpai en super vaut 3 fois une super. Une base, Gandora. Alors, c'est qui déjà Gandora? Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est ça, Gandora, non? Et ouais. Il est beau le dragon. Pareil, il vaut pas cher. Il vaut peut-être 4 ou 5 balles le Gandora. Grand. Non, mais en vrai, c'est comme je dis, on en rigole, mais j'avoue que le pays de rats, il vaut plus cher que 3 secrètes quand même. Non, mais c'est fou. C'est vraiment une dinguerie. Mais futur séance, pareil, je pense que je la garderai, j'attendrai un peu, je verrai si les gens la jouent. Non, c'est dans Sarcophage Brillant, donc ça devrait être joué plus tard. Ah, bien plus tard, hein, parce que je crois qu'il se joue que fois 1. J'attends que l'été passe et on verra la nouvelle saison. Je suis pas pressé. Après, vu la moi, je prends pas de vacances, enfin mes vacances c'est les tournois. Je suis pas quelqu'un qui va aller dans le sud. Les vacances, c'est l'achat de display. Donc... Bon, les vacances, c'est le CDE, c'est les YCS, quand je peux. Vraiment, j'aimerais pouvoir le CDE. Enfin, une fois d'ailleurs. Qui va faire des Airbnb, qui va faire des trucs. Bah, de toute façon, qui a sa calife, pour l'instant, il n'y en a que deux hein, chez nous. C'est Cyril et. Kevin. À voir. De toute façon, moi, j'y vais vendre, acheter et faire les side events. Hop là, si j'y vais. Cyril et Kevin uniquement, ouais. Merci. Gauche, droite. Allez, c'est parti. Mais ça, il est où d'ailleurs cette année, c'est deux, j'ai pas regardé. J'ai les dates. Berlin. Ah, bah, c'est. Oh, Sarcophage Brillant, stylé. Ça fait le playset. C'est vrai. Ça fait le playset sur 5, sur 50 displays quand même. Quasiment. Wingman, qui est-ce Ah, Lionel. Wingman, ça doit être un. Lionel. Wingman, c'est bien. Je crois qu'il parlait d'une carte. Non, il récupère aussi les Gandora. Il veut faire les Gandora. Oui, mais Wingman. Et là. C'est quoi? C'est qui? C'est Lionel. C'est Lionel. C'est son pseudo? Oui. Ah, j'ai pas vu parler. C'est aussi, il va choper CDS. Oh, avec météo. Franchement, les gars, j'annonce. Si au Suisse, j'arrive à taper ma qualif CDF, j'y vais avec météo. T'aimes pas arriver, pardon. J'y vais clairement avec météo. Franchement, ce serait. Avouez, ce serait une zinzinerie quand même. Ça serait pas mal.
Mais c'est... Merde, les communes. Allez, les communes qui vont... Les communes qui vont aller dans l'eau de communes dégueulasses, cassées. Ouais. On va même pas, parce qu'en vrai, elles sont même pas tombées. Ah, il y a qu'une qui est tombée. Ah, mais, non. Mais j'avoue que si j'arrive à avoir ma qualif, je vais clairement y aller avec Météo. Oh, génial, un Gandora. Faut que je regarde encore Gandora. Parce que du coup, j'étais déçu par Futur Scientifique à 4. En jeu. Mais je pense que Gandora, tu vas pleurer devant. Il y a des 0-0. Je sais que j'avais acheté genre 8 sorties de Sneak. Donc bah heureusement que c'est la sortie de Sneak. Sortie Sneak, il était à 7-8. Ouais. Pareil, 4-5. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, heureusement que c'était la sortie de Sneak. Ah, ça va faire des playsets à 16-17 grand max. Hein. Gandora. Il est pas mal, il est pas mauvais, c'est vrai, mais... Ça de se faire des culs avec un tapis AliExpress. Alors franchement, me chauffe pas. Me chauffe pas, parce qu'il y a un monde où, tu sais, vu que les tapis AliExpress sont quand même très, 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 très ressemblants par rapport aux tapis officiels, sur un énorme malentendu. C'est vrai. Il y a un monde où j'y vais avec un tapis. Même, un petit monde. Un small world où j'y vais avec un tapis AliExpress. Allez, moi je dis prochaine case, on ouvre. Prochaine display, on ouvre moins une quarter. Parce qu'il nous reste 5, 7, 6 minutes. Wow, j'espère. Allez, moins une quarter. Même une deuxième quarter dragonné, je crois. Bah ouais, au vu du prix de la quarter, ouais, je comprends. Ouais, c'est pas cher, veux-tu une fun fact à propos de Card Market? Commune. Ouais. Dis-moi tout. J'ai Guy qui m'a dit que, à propos de Card Market, il m'a dit qu'apparemment sur Card Market, il me prévient, Card Market a une limite de 17 000 euros par an de vente. Si tu dépasses alors que tu es un particulier, tu te fais geler ton compte. C'est arrivé à un de ses collègues. Ouah, enfin 17 000 euros de vente. Ouais, faut y aller quand même. Moi, je puis se faire geler, mais attends, tu te le fais geler, mais peut-être qu'il y a moyen de. Ouais. Tu sais, en fait, il te le bloque en mode, bah attendez, est-ce qu'il n'y a pas un problème Tu vois, bah, je pense. Alors c'est pas gelé en mode. Si tu mets si t'as des sous, si tu restes des sous dessus, ouais. Tu fais comment, tu vois? Oui. T'es niqué. Donc, ouais, je fasse gaffe. Non, en vrai, je vais pas vendre 17 000 euros. Peut-être pour. C'est sur une année? Je sais pas, bonne question. Peut-être sur une année, peut-être. Je demanderai plus de. Après, en vrai, je dis pas que c'est pas possible. Hein. Je dis juste que, bah. Genre, ça me semblerait chelou que ce soit gratos comme ça de te faire. Je pense qu'ils préviennent ou ils doivent enquêter, peut-être. Ouais. C'est comme PayPal, tu sais, Melvin. Oh, c'est magnifique. Mais magnifique, ça fait quoi là, ça 15ème fois que je la vois. J'ai cru. Non, j'ai cru. Franchement, j'ai cru autre chose au début. C'est quoi, j'ai vu, je me suis dit, bah. Miss Catherine peut-être. Non, Miss QCR, tu vois, mais genre. Bah, ça aurait été. Imagine la ceinture. Non, elle n'existait pas quand même en QCR. J'espère pas. Peut-être, mais j'espère pas. Oh, le prix. Franchement, ça va être une battle entre Gadget et. Qui veut pas. Qui en veut le moins. T'as déjà deux gadgets. Parce que j'avoue que ce serait quand même. Enfin, je peux dire que ce serait marrant, tu vois, mais. Bah, pour toi, oui. Si elle existe. Aïe, aïe. Bah, on l'a pas encore vu, c'est vrai. Si elle existe. Aïe, aïe, aïe. Oh, la dingue. Après, ça serait une ceinture, donc ça serait classe hein, pour les gens qui la recherchent. Je pense pas qu'elle soit à 10 balles. Enfin, j'espère pas. Si elle existe. Non, elle existe. Non, mais justement, si on la top, je pense que j'espère pas qu'elle soit à 10 balles, ça que je veux dire. Ah, pas du tout. Une saphir. Par contre, on en parle des trônes là. Toujours pas. On en parle pas, on les voit pas. Non, mais c'est dingue. Oui, cauchemar, on les voit pas. Il faut les acheter les trônes. On en a eu 50 000 au acheter début. Acheter des trônes. Et après, terminé. Enfin, 50 000 encore, j'abuse. Je pense que si t'es à 8 depuis le début. Je vais quand même répondre à ce tableau. Vas-y. Oui, hop, j'ai 2 minutes de suite. On fait dernière. Alors, du coup. Une petite dernière display, mais faut ranger avant. Ouais, bah comme tu veux, tu me vires à 15 et ouais, dernière display, peut-être une quarter. Première partie, on en aura ouvert, d'accord, je te laisserai compter quand je rangerai les autres. Ouais. Celle qu'on a ouverte. Mais ouais, c'est plutôt cool les ratios, je suis content des ratios. Après, je suis moins content de double trio gadget, franchement. Ouais. Vas-y, range chez toi, peut-être. Ouais. Bah, peut-être ou sûr. Oh, si, sûr. C'est sûr même. Sûr, j'ai un acheteur de. Déjà, 24, là, 22, 23, 24. Ouais, déjà, je peux te dire que ça, c'est à chez moi. Voilà. Et puis les trois. Il y a le temps cet été, voilà. Les trois quoi? Oh, les trois Sarko. Ah ouais? Ouais. Tu crois? Ah, c'est sûr. Ah, tu crois? T'es sûr. J'ai mis très sur ces. J'ai mis très en faute quoi un peu. On verra. Dac. Ah, mais je te dis que je les prendrai la semaine prochaine. C'est une affirmation. On verra. On discutera. Bon,
Dernière, dernière ouverture, après on y va. Après, je dois y aller. Enfin, tu dois me. Ouais. Enfin, tu dois y aller. Allez, bon, on va se faire une QCR. Là, une QCR quand même. Au moins une, ça serait bien. Ou alors, des trônes du cauchemar, ou alors du sarcophage brillant. Ou alors, des magnas graines natsumo. Une trône. Oui. En QCR. Ah, ça serait bien. J'ai eu la graine en secret, Ragna. Ah, t'as dû la secret là ? Ouais. J'enchaîne. Bah, techniquement, il peut rester une QCR et une quartaine secret. Et il peut rester aussi zéro secret si c'est bugged. Pour l'instant, on a eu deux fois bugué à trois secrets, donc c'est cool. Ouais. Et c'est pas des secrets, ça faisait 15 balles. Non, c'est pas des gros secrets, mais ça fait 15 balles. Secrets, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh, ça c'est beau ça. Je l'aime bien là. Non, c'est pas comme ça, comme ça. Ça fait quand même trois secrets, tu vois, c'est quand même lourd ça. C'est clair. Marshmallow. Plus de tempai, bon, le tempai on a arrêté aussi. Genre là, on a eu quelques-uns. Les ratios. Tempai! Il suffit de le dire. Attends, viens, essaye! On a plus de trône, hein! Plus de trône du cauchemar! Putain, plus de trône du cauchemar en partant surtout! Tempai deux fois! Deux fois de suite! Troisième! Et floraison, maintenant, allez! Les deux secrets! Les deux! Ça fait 3 ou 4 fois qu'on a les deux à chaque fois en même temps! À chaque fois, on a les deux secrets! Allez, une petite quarter floraison, peut-être, alors, du coup! S'ils veulent nous mettre ça, une petite quarter en lien avec ça! Bah non, un tempai! Tempai x 3! Tu vois, je t'avais dit! 3 fois tempai, ça existe! 3 fois tempai, ça existe! 30 balles! Un peu plus! Ouais, le LS, ah oui, Alan, magnifique cette secrète. Je te la fais à 90 si tu veux. Ça fait 5 euros de réduction. Ça fait 5 euros de réduction, t'as de la chance. Alors en vrai, on va pas se mentir. C'est une belle, si t'es un bon joueur, ouais. Tu lui achètes ça. Attends. Ça vaut quand même 12 balles. Ça, les 3 là, 12, 13. Ça vaut ta réduction. Non, mais faut être honnête, faut le dire. Oui, c'est ça. Allez, une petite quarter. Non. Allez, le last. Le last, elle en fait la David Michigan Pokémon. Je sais pas quoi, mes couilles là. Et non,